Bonsoir Mi, qu'est-ce que tu m'entends? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Alors attends, est-ce que non, est-ce que ce sont mes haut-parleurs qui sont pas bons? Non, c'est bon, haut-parleurs ça marche chez moi. Bon. Allô, allô? Bonsoir Pascal. Bah, tout le monde est muet ce soir. C'est pas possible ça. Ouais, ça va pas être simple de communiquer avec des personnes muettes. Pascal est en train de parler, mais moi, comme je ne sais pas lire sur les lèvres, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit. Je ne t'entends pas, Pascal. Je ne t'entends pas. I cannot hear you. Mine audasvin. Mine povas auscultuvin. Allô, allô? Ah, elle se connecte à l'audio, à l'audio. Donc Carmen devrait être là aussi normalement. Allô? Bon. Moi je dis qu'on va y arriver à force. On va couper ça parce que... Je suis désolée. Bonsoir Pascal. Ah Après, ben je suis en retard, j'ai dû tout perturber, je suis désolée. ah bah t'as pas perturbé grand-chose parce qu'on avait du mal à communiquer avec Mick. On t'entend Mick? Ah non, j'ai cru. Bon, Mick il va co communiquer par la fenêtre de discussion et Carmen devait être là normalement. Elle s'est inscrite hier. Bon, bah écoutez, on va commencer quand même. Hein. On va pas attendre trop longtemps. Alors, ce soir, C'était ça là. Attends. on avait commencé à composer un super morceau qui s'appelle Mixo Mixo. Et en fait, il y a une partie qu'on avait faite ensemble. Et après, moi, j'ai un peu développé la partie B et je me suis rendu compte au moment de l'enregistrer que c'était pas extraordinaire, qu'on pouvait faire sans doute beaucoup mieux. Donc, si ça vous dit, on peut reprendre ça et puis essayer de faire mieux, quoi. Ok. Ok. Voilà. Ok. Bon, Mick est d'accord. Donc, on va faire ça. Donc, je vais partager la partition. Je suis en train d'ouvrir le logiciel d'édition de partition. Voilà.
Bon, ça met un peu de temps, mais ça va se faire. Voilà. Puis si on a fini, bah on pourra en entamer une autre. Je suis dans une longue série de compositions en ce moment. Mais je reprends des. J'aime bien consulter des ouvrages. J'ai beaucoup d'ouvrages sur la composition. Et il y a toujours des choses que, enfin, des manières d'aborder certaines compositions auxquelles j'ai pas forcément pensé. J'analyse beaucoup, beaucoup, beaucoup de partitions tous les jours, ce qui m'empêche pas de continuer de créer mes formations pour l'harmonica, mais j'en fais un peu chaque matin. Maintenant, au réveil, la première chose que je fais, une fois que je suis pas bien réveillé, donc je me vois pas filmer un cours, genre, avec des petits yeux. Donc je me dis, je commence par 1 heure de composition, comme ça, même si je suis un peu dans le gaz, bon, le cerveau, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'après, j'ai un peu de mal à émerger, bon, c'est pas grave. Et puis, une fois que je suis bien en forme, après, j'attaque les formations pour harmonica. Mais j'en fais 1 heure chaque matin, et c'est là, je suis en train de consulter enfin, 2 livres en parallèle sur la création de chansons. Et donc, les mélodies, le lien entre les mélodies, les paroles, les mélodies, les accords, tout ça. Avec beaucoup, beaucoup d'analyses de partitions, la plupart du temps, c'est plutôt des Anglais, enfin des Anglo-Saxons, on va dire. Et c'est super, et ça me donne beaucoup, beaucoup d'idées. Et là, en moyenne, je compose une nouvelle musique chaque jour. Donc, ça prouve que, enfin, il y a tout, tout n'est pas, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre, hein. Il y a certaines compos, je dis, ouais, bon, j'ai compris le principe, mais alors, des fois, c'est des petites compos sur quatre mesures, hein. C'est pas forcément à chaque fois un gros truc. Mais parfois c'est carrément des musiques beaucoup plus longues quoi. J'ai un ami ce matin qui m'a envoyé un texte. Tiens, c'est sympa quoi, ton texte. Et j'en ai fait une musique aussitôt, donc c'est arrivé assez rapidement. Donc c'est bien de temps en temps de reprendre d'anciennes méthodes et de les retravailler. Et puis et surtout d'analyser beaucoup les morceaux. Alors en fait, ce qui est bien dans ces méthodes-là, c'est que en fait, ils arrivent à pointer quelque chose d'assez original. Ah oh, oui, tiens, c'est intéressant ça comme utilisation de cet accord. Et puis donc une liste de chansons, puis après en faisant des recherches, en regardant les partitions, en analysant, ben on arrive à comprendre comment ils ont utilisé ça. Ah oui, donc du coup ça te donne des idées pour faire toi-même, quoi, pour t'exercer. Je trouve ça intéressant de faire ça, quoi. Bon alors, et je sais pas pourquoi il s'ouvre pas ce machin. Alors attends, c'est dans des musiques, on va peut-être y aller directement, ça va être plus simple. Donc. Voilà, tac. Alors, musique. Alors, musique. Ouf. Et donc. Ça s'appelle. Mixo, mixo. Ouais. Le fichier, je l'ai mis dans un autre nom. Voilà, ça y est, je l'ai. Version 23 décembre 2021. Alors, je vous partage la partition. Ça. Pouf, voilà, on va y arriver. Chlouk. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez écouté le, vous avez écouté dans Telegram le, Oui. oui. Bon. Voilà. Donc, ce qui me gêne un peu, donc tout le début est bien, la fin ça va, je trouve. Enfin, sauf si vous trouvez que c'est pas terrible, on peut me modifier. Ce que je voulais modifier, c'était plutôt le pont. Ce que je trouve que le, c'est pas qu'il soit mal écrit, c'est je trouve qu'il a pas un grand rapport avec le début quoi. Ça me choque un peu. Je refais quand même le morceau tel qu'il est écrit. Vas-y. Thank you.
Bon, ça me paraît pas si mal comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'on peut faire mieux. Toutes ces parties-là, sol, la, di, da, do, do, Hein, t'as pas... do, Attends, alors attends, un, deux, trois. C'est à partir, je trouve, de la quatrième mesure après la mesure de deuxième fois que ça sonne un petit peu bizarre. c'est-à-dire à partir d'ici? Alors, à partir du mi si pointé, mi croche si noir pointé. À partir de là, oui. Donc le début, c'est donc la partie B. Bah, ça me paraît pas choquant, c'est surtout la suite, quoi. Sais pas. Je sais pas. C'est Ouais, bizarre je parce qu'en comprends. jouant comme ça, je trouve ça bien, mais je sais pas si c'est le là, avec l'accompagnement que ça dé... Je sais pas, et pourtant. Qu'est-ce que t'en penses, Mick? Oui, dis-moi, dis-moi. Tu peux nous le faire avec l'accompagnement pour voir si c'est là que ça choque? Bah, je vais vous le faire écouter alors parce que je pourrais pas vous le faire là en direct. Oui, j'ai bien compris. D'accord. Alors attends, je vais te dire ça. Donc, alors. Je reprends le fichier. Ah bah il est peut-être dans. Ah, où est-ce Alors. Est-ce que je fais ici? Tac, tac ici. Alors, attendez, ça doit être là. Oui, c'est là. Attendez, je vais vous le partager comme ça directement, ce sera plus simple. Donc, nouveau partage, clock, télégramme, paf, clock. Voilà. Attendez, il faut que je vois si j'ai bien partagé avec le son. Ah ben non, si je partage pas l'audio, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, on y va. Oui. Non, je pense que c'est surtout la montée qui est bizarre. Eh bien, justement, sur la montée, comme elle fait fa, sol, la, si, do, ré, Oui. en sautant le si et en faisant fa, sol, la, si, ré. Parce qu'à ce moment-là, ça nous rappelle le sol, la, si, ré du tout début, tu vois, et Oui. même la mesure d'avant où on a mi, ré, do, si, ré. Et on Oui. ferait, ça donnerait quoi? Alors, attends. Oui, Mick est d'accord, la montée n'est pas terrible. Ou alors on fait fa sol si do ré. Alors à ce moment-là, on fait. Ah oui. Alors attends, à ce moment-là, je transforme ça.
Attends, parce qu'il y a Mick qui essaye de nous rejoindre, je vais juste lui en renvoyer le lien. Donc, attendez, paf, paf. Oui, il faut que je revienne là-dessus. Je vous demande une seconde. Prends ton temps. Enfin, j'ai une seconde, un peu plus d'une seconde. Vous connaissez l'histoire, non? C'est un gars qui. Bon, c'est une vieille histoire, parce que maintenant c'est Internet, mais enfin, c'est pas grave. C'est une personne qui appelle un renseignement pour avoir dit, ben là, je voudrais aller dans tel lieu. Mais alors en avion, ça va être un peu. Ça va être un peu loin, ben, ça dépend, monsieur, vous voulez aller où? Bon, je vais aller à Tombouctou. Tombouctou, une petite seconde, s'il vous plaît. Ah oui, Ah, d'accord. super, merci madame. Elle est bien, ouais. Ah, donc c'est vachement rapide maintenant. Waouh. Bon. Alors. Donc, on a dit sol la si, donc sol la si. Sol la si. Alors déjà, j'ai essayé sol la si do ré, puis après avec seulement sol la si ré, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ça rappellera le début. Donc là, du coup, bon, alors, la tablature, on la mettra après. Donc là, ça ferait. Je reprends la partie bien. Pardon. Ouais, bon, alors si je C'est fais. Ouais, le dos. Moi, je trouve que le dos, il choque. C'est le ouais. dos. Non, sol la si ré. Ré si do ré là. Voilà. Alors. Ouais. Ah, attendez. Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien. Bon, si c'est pas mal. Ouais, moi, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Mick? Sol la si ré. Donc ça ferait donc le toute la partie vierge. Ouais, si, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Et Mick, il aime bien aussi, on dirait. C'est mieux, il dit. Bon. Ouais. Ok. Mais attends, si Mick, il dit que c'est mieux, ça sous-entend qu'il a peut-être quelque chose d'encore mieux. Bah oui, c'est ce que je me disais. Mais on t'écoute, Mick. Alors, c'était quoi la réponse? C'était quoi la solution? Ou alors l'acide doré, hein, je sais pas, mais. Bon, non, ça sert à rien. Non, je trouve ça pas mal. Ouais, Ouais, c'est mieux j'aime que la. bien. Puis ça rappelle un peu le début, c'est pas Ah oui, mal. complètement. Ouais, même totalement, on est dedans, 100%. Et avec des accords différents, du coup, c'est sympa. Ouais. Mais en plus, le ré, il passe bien, parce que c'est la 11e, sur la mineur 7, ça passe super bien. Et le sol, ça frotte un peu sur si mineur 7, mais c'est juste une appoggiature, et ça se résout sur le la, et puis le si fait partie de l'accord. Donc, non, c'est bien. Alors, par contre, question intéressée là. Nous, là, comment on peut faire pour l'imprimer, la partition?
Bah, je vais vous l'envoyer. Et tu nous l'envoies comment aussi, par quoi? Bah, je la mettrai dans Telegram en PDF. Ah, nickel! Ah, c'est sympa, merci. Ce que je vais faire avant, c'est que. Alors oui, chose importante. Donc c'est une compo qu'on a faite à trois, je pense. Hein. Il n'y avait pas d'autres personnes. Ben, il y avait Mick aussi, Oui, et bah à trois, oui. oui, c'est Pascal, ça, Mick et moi. D'accord. Donc on va faire quelque chose parce que avant de la publier, on va la déposer quand même. waouh. Bah oui. Donc alors attendez, ce qu'on va faire, c'est que bon, on peut l'écrire ici directement. Donc, allez, par contre, ça vous dérange pas de donner, comme la séance est enregistrée, ça vous dérange pas de donner vos noms Non, en non, public? non, 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 non. Bon, alors, on va y aller par ordre alphabétique. Mick, tu t'appelles Mick? Vraiment, c'est ton prénom? Ou est-ce que c'est autre chose? Pour l'instant, je mets. Pascal, tu t'appelles Pascal? Oui, Pascal, ouais. C'est Attends, Michel, t'as vu, il a mis, ouais. ah, c'est Michel? Ouais, il vient de l'écrire là, Mick. Ouais. Michel, d'accord. Ah bah d'accord. Oui, alors Michel Bernardi. Bernardi. On a dit dans l'ordre alphabétique. Moi, je m'appelle Bertrand Georges-Pierre, en fait. Ah, ça, c'est ton vrai premier prénom? Non, oui, parce qu'après, mes autres prénoms, c'est Mozart, Chopin. Non, c'est pas vrai. Ah, toi, Armand Chopin, je comprends mieux. Ok. Non, c'est pas. Non, c'est mes trois prénoms, mais il y a des homonymes, parce que des Carbonneau, il y en a plein, et des Bertrand Carbonneau, il y en a d'autres. Et donc, Donc ça te différencie. je préfère, Ah, t'as raison. quand j'ai créé ma première entreprise, je l'ai appelée Carbonneau Bertrand Georges Pierre. Tu me dis, t'aurais pu mettre Carbonneau Bertrand, bah oui, mais il y en a d'autres. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Bon, les autres Bertrand Carbonneau, on sait bien que c'est une vague imitation de l'original, mais enfin quand même. Et Pascal, tu t'appelles Maï? Oui, mais alors moi, pour ces trucs-là, je mets mon nom de jeune fille, c'est Merio, M-E-2-R-I-A-U-X. D'accord. Et j'ai déjà un ou deux textes, moi, qui ont été déposés à la SACEM, là, quand je faisais avec mon beau-frère. D'accord. Et c'est Merio, donc. D'accord. Ok, on n'a pas mis le tempo. Faut mettre le tempo. Enlever. Hein? On met Enlever. enlever. Bah non, là c'est ça, mais ils aiment bien voir le tempo et Ah. le vrai tempo. Bon, on va le trouver. Ah, mais attends, et oui, l'autre jour, c'était pas, ça donnait pas 92 ou un truc comme ça, je sais plus. À la noire. Bah attends, je crois que c'est pas 112, sincère. ça y est, Mick vient de le mettre, c'était 112. 112, d'accord, merci. Bien vu 12 quelque part. Voilà, tac, noir égale 112. Tac. Oups. Voilà. Voilà, donc est-ce que tout va bien? Ok, on a tout là. La tablature harmonica, parfait. Alors je vais mettre harmonica tonique. Voilà, comme ça on sait pour quel instrument on a composé quand même. Parce que comme il y a la tablature en dessous, ça fait bizarre sinon de mettre une partition sans savoir. Voilà, on va baisser un peu ça. Alors, comment est-ce qu'on répartit les pourcentages? Alors, si je me rappelle bien, non, mais je rigole, hein. Mick, il a fait les quatre premières notes, moi j'ai donné l'idée des quatre suivantes et t'as fait tout le reste. Voilà, comme ça c'est clair. Non, mais vous avez quand même participé. Enfin, après,
C'est, enfin voilà, quand tu dis ah, ça c'est pas terrible, je préférerais ça, bah toi ça fait aussi partie de la composition. Enfin, quand je compose des chansons, quand j'écris des chansons et qu'on compose avec les amis, enfin qu'on dépose pardon avec les amis, en fait on se dit pas alors attends toi t'as mis combien de mots parce que des Oui, fois c'est ça. non mais non parce qu'il y en a qui font ça, ils disent ah, attends ouais mais t'as écrit 3 mots alors 5%, mais non mais c'est pas comme ça parce que si le mec il a écrit que 3 mots mais que les 3 mots font toute la chanson, bah Ouais, toi bon c'est bon. des fois Ou alors on peut chipoter. T'as mis trois mots, mais trois mots, t'as mis deux articles et un auxiliaire conjugué, ça fait bien des masses, hein, c'est. Ah, mais la façon de prononcer les le, les là et les Ça peut tout changer, c'est vrai. non, mais c'est vrai que c'est vrai que bon, tu vois, par exemple, je me rappelle une chanson où. Où un type avait dit, bah, de toute façon, moi, j'ai presque rien mis, alors bon, si vous ne mettez pas bon nom, c'est pas grave. Et on fait écouter la chanson à Claude Lemel, qui relève un vers, dire, ah, ça, c'est très bien trouvé. Et c'est justement sa contribution. Bah, je dis, tu vois, c'est Ah. justement ce qui ressort dans la chanson. Donc, c'est normal que tu. Voilà. Bon, on fait comment, du coup, on fait. Rien, moi c'est toi qui as l'habitude. Moi tu mettrais tout à ton nom, ça me dérangerait pas du tout. On fait. Est-ce que ça va si on fait 50, 25, 25? Eh ben voilà, très bien. Bon, C'est ça déjà va. fort généreux de ta part. Bon, on fait ça. Bah, je le fais pas maintenant, je le ferai de mon côté. C'est pas le but de l'atelier. Ok. Donc, mais je vais exporter ça. Donc, je vais l'exporter. Et puis, on. Alors, je vais mettre composition collégiale. Composition, atelier, je vais mettre. Voilà, il s'appelle Mixo Ok. Et puis bah, je vous propose qu'on en entame une autre. Eh bien, c'est une très bonne idée. Je tourne la page. Alors. Est le 5. Attendez, fichier. Nouveau. Aperture du gabarit. Bon, le nom, on verra bien. On va mettre Compose 4. Les compositeurs, on verra après. Ensemble, je mets 4 temps, mais c'est juste pour avoir un fichier. Voilà. Donc je mets composition. Ouais, composition collégiale pour l'instant. Voilà. Attendez, je vais regarder sur Zoom. Les inscrits. Voilà, super. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre normalement. Oui, Carmen, elle avait dit qu'elle s'était inscrite. Oui, alors il y a Carmen qui s'est inscrite. Il y a Jean-Yves Corlet aussi, que je ne connais pas, qui s'est inscrit le 22 décembre, mais qui n'est pas là. Et il y a Christian qui s'est inscrit il y a 11 minutes. Non, il y a 9 minutes. Donc, Christian, c'est Chris? c'est Wolf. C'est Chris, oui. D'accord, ok. Je lui envoie un petit mot. Voilà. Bon. Alors, quoi qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on prend comme point de départ? Il y a plusieurs possibilités. Donc, soit on part d'un mode, soit on part d'un petit motif mélodique, ce qu'on a déjà fait, soit on prend des notes au hasard et on voit ce que ça donne, ce qu'on peut en faire.
Soit on lance un dé. Oui, ça peut être une idée. Non, mais bon, c'est des. Pourquoi pas? C'est l'idée, soit on prend des notes au hasard, on voit ce que ça donne et puis on essaie de poursuivre. Soit. Une composition d'après partition, on a déjà fait, mais on peut refaire. Sinon. Ouais, on Bah, peut. tout simplement, tout simplement. Toi, le matin, quand tu composes, tu fais comment? C'est selon l'humeur, Non, t'as un truc de prédilection. c'est pas selon l'humeur, parce que comme je suis toujours de bonne humeur, le matin, quand je Bravo! me lève, bah, je suis comme ça. Mais quand je me lève le matin, j'ai, ah, super, nouvelle journée. Ah, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir créer aujourd'hui? Bon. Donc, je suis très enthousiaste le matin, toujours. Et enfin, je suis enthousiaste toute la journée et parfois la nuit je suis moins enthousiaste parce que des fois je fais des cauchemars. Mon Dieu. Ah. Donc voilà. Mais parfois non. Hein. Parfois je rêve de musique. Parfois je rêve que je suis en train de jouer un solo d'harmonica ou un solo de piano et je me réveille en me disant ah oh, c'est pas mal ce solo. J'ai ouais, j'ai Super bien. idée, vite, vite, je note les Oh, notes. bah oui, bah ça m'arrive de temps en temps. Donc non. Alors ce que je fais le matin, bah en fait ce que je fais c'est que je là depuis un petit moment. C'est que je prends une partition où je me dis, tiens, ah, c'est intéressant ça comme utilisation de cet accord, utilisation de mélodique, ou oh, il y a un petit truc sympa là, tu vois. Ah, ça me plaît bien ça. Et comment je pourrais l'utiliser dans. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Ah, d'accord, il a voulu faire ça. Ah, comment je pourrais l'utiliser dans une propre composition? Et je me dis, tiens, c'est. Voilà, bah tiens, je vais essayer de faire une compo. Alors, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est que je me mets au piano. Et puis, et comme ça permet de réveiller les voisins, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Il m'emmerde jusqu'à minuit ou jusqu'à pas d'heure, donc il n'y a pas de Chacun raison. son tour, là, voilà. Voilà, comme ça, 7 heures du matin, ils sont déjà contents. Non, mais je mets la sourdine à 7 heures, je joue qu'à 9 heures, en fait. Et donc, mais je me mets au piano et je me dis, tiens, ce serait pas mal de passer. Ah oui, tiens, si je fais ça. Ou alors, ce que je fais, ça m'arrive très très souvent, c'est de. Des fois, j'ai une. Alors, j'ai aussi. Ah oui, on pourrait faire ça par exemple. C'est-à-dire de plaquer des accords, d'enchaîner des accords, d'improviser Oui. juste de l'improvisation harmonique. Oh tiens, c'est sympa comme enchaînement. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? On pourrait faire ça D'accord. par exemple. C'est-à-dire plutôt que de partir sur une grille déjà établie et puis se dire tiens, qu'est-ce qu'on va nous on va mettre une nouvelle composition sur une grille d'une autre chanson, d'un autre morceau. Je peux improviser des accords au piano. Ah, tiens, c'est pas mal comme. Ou là, ça vous plaît ça? Ah oui, tiens, pas trop ça. Ah bah si, ça c'est pas mal. Et puis comme ça, on écrit les accords, et puis on commence à composer sur ces accords, puis après on développe. C'est pas mal ça. Vous voulez qu'on essaie ça? On n'a qu'à essayer ça. Luc dit, il n'en est pas question. Ah si, Non, il dit ok. aucun. J'ai toujours eu horreur de faire ça, il y a une raison. Voilà. Donc, alors par contre, comment je vais faire? Il faudra que je déplace. Ah si, bah, je vais mettre le. C'est pas la peine que je déplace l'écran. Il faut juste que je déplace le micro pour qu'on puisse m'entendre. Je déplace les câbles. Je déplace le micro. Alors, je vais couper mon image comme ça indiquera que je ne suis pas là, mais c'est normal. Schlouk, voilà. Et donc, normalement, là, vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend bien. Là. Et là, vous m'entendez toujours. Oui. Ça grésille à mort ou ça va? Un petit peu, ça va. On entend quand même. Alors, si je fais ça, C'est mieux. c'est mieux. Alors, donc, bon, voilà. Alors, je vais faire comme le matin, hein. Alors, pour mettre en condition, je vais dormir 1 heure. Je rigole. Bon. Prépare ton ricoré à l'avance. Pardon? Et prépare ton ricoré. Oh, bah non, mais je consomme rien du tout le matin, moi. Hein. Je peux pas. Hein. L'amiricoré. Tiens, on n'a qu'à faire un truc sur l'amiricoré. Voilà. Ah, d'accord. Bref, alors, voilà, donc je me dis, tiens. Alors bon, j'essaye des trucs et puis on voit ce qui sort. On va commencer par. Allez, donnez-moi un accord de départ. On va faire ça. Je sais pas.
Do majeur 7. Do majeur 7. Alors, c'est super bon. Alors, génial. Bah, j'ai déjà trouvé, super. Alors, Eh donc, ben, non, mais sans rire, hein. Alors, tu as commencé par Do majeur 7, après tu as mis alors, quoi? je te dis que les accords, comme ça, tu les notes. Oui, je Alors, les note. Do majeur 7, Fa majeur 7, Fa majeur 7, ouais, vas-y. Si bémol majeur 7. Mi mineur 7. Alors après c'était quoi? Attends, je refais. La mineur 7. La mineur 7. Ré mineur 7. C'est quoi ça? C'est sol. Attends, c'est ce 7, 9, 3, sol 7, 9, 13, sus 4. Sol 7, 9, 13, 13, sus 4, 4. ok. Ça peut s'écrire aussi Fa majeur 7, tu mets une barre horizontale comme une barre de fraction et tu mets Sol en dessous. Ça s'écrit aussi comme ça, on appelle ça un polycorde. Je mets sol en dessous, t'as dit, hein. Ouais, tu mets Fa, F, un Fa grand F. majeur 7 et Voilà, comme une fraction avec sol en dessous, ok. voilà. Comme si c'était au dénominateur. Ça s'appelle ça un polycorde. En fait, non, en fait, non, je raconte une ânerie. C'est vaut mieux écrire comment Fa majeur 7 slash Sol. OK. Parce qu'en fait, quand tu mets Sol en bas, c'est comme si tu avais l'accord de Sol majeur. Bon, je raconte une ânerie là. Là, c'est cet accord-là, quoi. Ce qui n'est pas le cas. Donc là, c'est juste Fa majeur 7 slash Sol. C'est plus simple de l'écrire comme ça et de le jouer plutôt que de dire Sol 7, 9, 13, sus 4, toi, même si c'est ça la fonction. Donc, OK. Fa majeur 7 bas Sol. Et donc ensuite, Do majeur 7. Et on revient sur Do majeur 7 Ça qui fait est combien accord. d'accords? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais attends, il y en a. Alors, il y a 2 Do majeur 7. Si Non mais. bémol. Et tous les autres sont différents. Ouais. Non mais ça c'est pas grave. Ok, donc. Ok, bon, on peut faire ça. Ouais. Alors, on va noter. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Moi, j'adore. Bien. C'est vraiment beau. Bon, alors très bien. Alors, donc, pouf. Alors, on va écrire les accords ici. Donc, on est en Do majeur, du coup. Alors, Do majeur 7. Mais, attends, faut qu'il. Voilà. Ensuite, Fa majeur 7. Oui. Fa majeur 7, Si bémol majeur 7. Mi mineur 7. Oui. La mineur 7. Il y avait. Oui, mi mineur 7, la mineur 7, d'accord. Ensuite. Oui. Ensuite, Ré mineur 7. Oui. Ensuite, Fa majeur 7 slash Sol. Oui. Et Do majeur 7. D'accord. Ah ben voilà.
Ouais. Ok, donc Mick, on t'écoute pour la mélodie maintenant. C'est Mick qui fait la mélodie. Non, mais alors donc, alors mélodiquement, donc là on est. Alors oui, une fois que j'ai fait les accords, j'essaie de trouver la tonalité. Bon, la tonalité pas difficile à trouver là, c'est do majeur. On a plein Oui. de d'accords en do majeur. Il y a le si bémol majeur 7 qui n'a rien. Alors ce qui est à la base, passer de si bémol à mi, ça fait un triton, ce qui paraît toujours très heureux, mais bon, enfin, on verra si on fait un renversement ou pas. Ouais, je disais, le si bémol majeur 7, il n'a rien à faire avec do majeur 7, mais c'est un petit, comment, ouais, c'est un petit, je sais pas quoi, c'est un emprunt, c'est un Bah, c'est emprunt. une petite modulation, quoi. C'est pas très grave, c'est pas. Non, mais c'est même pas une modulation, c'est un emprunt, en C'est même fait. pas une modulation puisque c'est pas dans les tons, ouais. Ouais. Exact, Donc, exact. c'est juste un emprunt. Voilà. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire, en fait, dans la musique pop, on utilise beaucoup le si bémol. En fait, là, j'ai pris que des accords de do majeur, et l'accord du septième degré, c'est si demi-diminué, et Oui. l'accord demi-diminué, il est bien, enfin, dans certains cas, mais il n'est pas toujours évident à utiliser. Et la plupart des compositions qui utilisent le si prennent le si bémol ou le si bémol majeur 7, ou éventuellement si bémol 7, pour remplacer le si demi-diminué. Et donc, c'est un emprunt à une autre gamme, et ça permet de, ça donne un petit côté mixolydien, mais ça permet d'éviter le si, quoi. Donc, on aurait pu mettre autre chose, mais je trouve que j'aime bien de temps en temps. Alors, moi, c'est un truc que je fais maintenant systématiquement. Il n'y a plus enfin, si ça arrive, mais c'est assez rare, qu'il y ait une composition tout le temps dans la même tonalité, le même mode. J'aime bien prendre au moins un ou deux emprunts. J'ai fait une composition il y a quelques jours avec ça, en me disant, tiens, j'ai essayé d'emprunter deux accords à des gammes qui n'ont rien à voir du tout avec la tonalité principale et le mode principal, et ça donne toujours des choses assez originales, quoi, et intéressantes. Voilà. Donc, là, l'idée, c'est de partir là-dessus. Regarde Mick, si la sol si il dit. Si la sol si, d'accord. Donc, si la sol si sur do majeur. Là. Si la sol si. Avec quel rythme, si? Bon, on peut faire ça, hein. Si la sol si, si la sol si, ti da da la sol. Alors, donc maintenant qu'on a si la sol si, par exemple comme ça, on peut, alors sur fa majeur 7, le si la sol si il va pas marcher du tout parce que le si va frotter à mort avec le fa, mais on peut faire le même motif transposé. Par exemple. Oui, je préférerais transposer où alors si on fait ça nous ferait do si bémol la bémol do. Si la sol si. La sol la do la sol fa alors la sol fa la ou Ouais. mi do si la do alors, Ouais, je mais là, on n'est plus au niveau des intervalles, on n'est plus pareil. ah Si on bon prend un do, on devrait mettre si bémol, la bémol. quoi ah non attends là regarde, il y a deux manières de transposer. Soit tu transposes selon les tons, les demi-tons, soit tu transposes selon les degrés de la gamme. C'est-à-dire que, Ah, c'est tout. ouais, donc en fait, justement, c'est ce qui est pas mal dans les transpositions, c'est que tu transposes le motif et que les écarts entre les notes est bon en termes de degrés, mais pas en termes de tons et de demi-tons. Ça donne des D'accord. mélodies, qui paraissent très originales, alors qu'en fait, c'est juste des transpositions sur Juste ça. une tranche. Ah, d'accord. Ok. Ça évite de effectivement de parce que c'est trop c'est le les transpositions en ton de mi-ton, c'est bien si on change de tonalité, mais si on reste dans la même, ça fait bizarre, quoi.
Et ça, donc là, du coup, ça permet justement, puisque comme les intervalles sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'il y a un demi-ton en plus ou en moins, du coup, ça donne quelque chose de plus original, quoi. OK. Donc, ça ferait ça. Voilà. Ou alors on fait. Les deux sont bien. Moi, j'aime bien do si la do, mais. Moi, j'aime mieux l'autre. Oui, ça c'est mieux. Alors c'est là après qu'on arrive sur. Bonsoir Christian qui vient de se connecter. Je ne t'entends pas, je ne te vois pas, mais est-ce que tu nous entends? Là, j'explique à Christian, on est en train de composer un nouveau tube, un nouveau succès interplanétaire. Et donc, on est parti sur sur un. Ah, il est en train de se connecter à l'audio. Alors, je vais attendre qu'il se connecte pour lui préciser ce qu'on est en train de faire. Donc là, ce qu'on peut faire pour la mesure suivante, c'est refaire, peut-être reprendre le même motif, encore transposé, ou le transformer un tout petit peu pour lui donner une autre direction, quoi. Un peu que faire un do, ti, le, do. Ou alors on fait la. Oui, si on. De toute façon, si on fait. Alors là, ce qui est pas mal, je trouve, quand on prend un emprunt, c'est de pas exprimer les notes, tu vois, mais pas mettre le si bémol, mais de mettre un motif dans lequel il n'y a pas si bémol, mais ça va quand même sonner si bémol parce que c'est l'accord qui l'accompagne, tu vois. Parce que c'est l'accord, d'accord. Donc là, on a. Attends. Ouais, si on fait par exemple Que ce soit ça là. la sol la fa, par exemple la sol la fa. Toi, si on fait ça c'est pas, c'est une variation en fait. Au lieu de faire do si, pardon, au lieu de faire, Oui. qu'est-ce qu'il fait là? On Au lieu l'a de en faire do si symétrie la, là. au lieu de, voilà, au lieu de faire do si la, on fait la sol la, et puis après on saute au lieu de faire, en fait, faire la do dans l'autre sens, on fait la fa. Et au début, on fait un peu différemment, c'est une petite variation. Alors sinon, voilà ce qu'on appelle une imitation. Alors si bon. Est-ce que Christian, tu nous entends? Alors, il y a Carmen qui vient de dire un truc. Donc, voilà, do, si, la, do, la, sol. La, sol, la, fa. Est-ce que vous voyez là, il y a un Moi, je truc. repars. Oui, pardon. Il y a quelque chose qui s'affiche. Et. Oui. Ah oui, d'accord, c'est en fait, c'est moi qui. Ah oui, il est en train de. Je sais pas pourquoi. Mais Oui, il met un espèce de sous-titrage à la mode de je sais pas trop quoi. Ouais, c'est parce qu'en fait, il essaie de transcrire en anglais ce que nous disons en français. C'est pas Oui, terrible. Hein. et ça donne des trucs rigolos d'ailleurs. Ouais. Alors, si on veut écrire des paroles de chansons, ça va être bien. On Ça va donne prendre absolument ça. n'importe quoi. Bah tiens, some great songs have a younger brother. Bah, je ne sais pas ce que Ouais. ça veut dire, mais bon. Les bonnes chansons ont un frère plus Ont jeune. des frères plus jeunes, ouais. Bon, bref, alors, je Bientôt la libération. Ouais, ça c'est Che Guevara qui parle depuis. Ah, my fellow. Pas mal.
Bref, je sais pas comment on enlève ça, mais bon, bah, c'est pas très grave. Alors, oui, donc, est-ce qu'on essaye alors, je vais essayer l'harmonica, ce qu'on a déjà écrit. Christian, je veux bien que tu. Attends, transcription directe, il faut l'arrêter ce machin parce que c'est pénible. Il faudrait la saisir, voilà, pouf, voilà. Partager, arriver, C'est quoi ce désactiver. truc? Attends, on va aller voir sur plus. Lever la main, annuler, toc, boum. Qui est-ce Comment qui... c'est pour les émoticônes? Ça sert à rien, ça. Je pense que ça doit être toi qui as les commandes, là. Ouais. Masquer le sous-titrage. Voilà. Alors, donc ça fait ça. Bon, je sais pas. Christian, si tu pouvais ouvrir ton micro, ce serait cool. Et doré, là, c'est mieux, non? Redoré là. Ouais, voilà. Oui, ouais, c'est mieux déjà. Et doré, là. Mmh. On va pas faire que ça tout le temps, et on peut peut-être faire un motif un peu différent pour le mi mineur. Si, la Si, sol. la sol. Alors, Si, la sol. ré, mi, do, ré, Okay. Alors, si, la, sol, ré. Hop, il me dit qu'ils ont. Ouais, ça sonne bien, ça, j'aime bien. Alors, après, on a la mineure. 7. Alors, la Alors. mineure. Do, mi, sol. Oui, faire des notes plus longues, je suis d'accord, Mick. Là, ça fait une carte dessus. Ok, pas de problème, Christian. T'as pas de micro? Christian nous dit désolé pour le retard, mais il n'y a pas de souci. Donc, c'est un atelier, donc tu viens quand tu veux, tu repars quand tu veux. Du moment que tu apportes de bonnes idées. Donc, des notes plus longues. La do, t'as fait là, c'est ça? Bon, demi sol la seule, mais bon, je sais pas. Sol, la sol, ouais, ben, c'est pas mal, hein? Bon. On va demander à Carmen, elle va nous dire. Ah Mais elle est-il connectée ou pas, Carmen, là? ben Carmen, elle se connecte là.
Parce que après, on repart sur un ré. Je n'ai pas de micro sur mon casque, mais j'entends bien tout le monde. Ok, super. Donc, si tu as des propositions à nous faire, Christian, sur le. Là, on est en train de composer un nouveau morceau. On est parti sur un enchaînement de 8 accords que j'ai improvisés au piano. Ensuite, on les a recopiés sur la partition. Mick a proposé un premier motif, donc si la sol si qu'on a écrit sur la première mesure, que j'ai indiqué un rythme qui me plaisait en le faisant à l'harmonica. Ensuite, on a transposé le motif sur la deuxième mesure. On a créé une petite variation sur la troisième mesure et une autre variation sur la quatrième mesure. Mick ensuite nous a proposé de faire des. Mais Carmen, qu'est-ce qu'elle fait, Carmen, là? Bah, ah, c'est Christian, ça. C'est Christian qui est en train de dessiner sur. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Non, mais sans blague, non, mais oh! Il fait en plus au crayon rouge, t'as vu? Oui, mais bah, bravo. Non, mais Ça sans fait blague. très prof, ça, hein, Ouais, c'est. bravo. Voilà, alors on est en train de travailler entre adultes, puis t'as les gosses qui arrivent avec leur crayon de couleur. Non, c'est beau là, non, non. Bon, bref. Donc on a ensuite Mick a proposé qu'on fasse des valeurs plus longues sur la mesure 5. Voilà, donc j'ai proposé quelque chose. C'est sans doute T'as fait, de c'était faire mieux. Et là, très bien. je voulais faire une autre mélodie sur la fin. Ré, do, si, Ah, je do, vois par plus. exemple. Ré, ré, Bon. do, si, la. Si, ré, do, si, la. Si, sol. 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 Bon, c'est juste une proposition. Si on mettait Oui. Tu disais? non, j'allais dire si après le la on mettait si la sol, mais j'avais pas vu que tu avais mis ré do si. Alors. Question. Oui. Alors, le la qui était sur le ré mineur 7, là, après les noirs pointés croches, Oui. on le fait durer vraiment que deux temps? Non, 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 j'ai mis ça et je ne sais pas ce que je mets après. Ah, pardon, autant pour moi. Soit je fais, de toute façon, dans une mesure à 4 temps, je suis obligé de mettre quelque chose après. Donc, soit je Ah mets oui, c'est ça. une demi-pause, soit je mets carrément une ronde, mais c'était Ça histoire va être de. long, hein. Ça va être long. Ouais. Oh, pourquoi pas, hein. Essayer de jouer avec les accords, voir ce que ça donne. Alors, là, donc là, on fait une. Après, on est sur. La majeure 7. Ça, mais on a. Tabulé. Ok.
Là, jusqu'à présent, avec les accords, ça donne ça. C'est bien, mais il faut une suite. Oh non mais d'accord, ouais, je suis bien. Non mais là, il faut déjà contrôler si tout va bien. Je refais une fois. Dites-moi si tout est bien pour vous. Carmen a mis un cœur, ça doit vouloir dire qu'elle aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Bon, je refais une fois quand même. C'est vachement bien. Et... Ah, je voulais te poser une question, s'il te plaît. Pourquoi mourir idiote? Peux-tu me donner les notes du Fa majeur 7 slash sol? Sol, fa, la, do, mi. Sol, fa, la, do, mi. Merci. Là, j'ai mis un accord, j'ai mis plutôt do majeur 9, je trouve que ça sonne mieux. Donc, do majeur 9, c'est do, mi, sol, si, ré. Ouais, en fait, c'est juste le si, la, sol, ré. Je trouve qu'il n'est pas extra. Je pense qu'on peut faire mieux. Le début va bien, mais sur le mi mineur, je trouve qu'il y a mieux à Ah, faire. tu trouves que ça fait pas joli? Bah, je crois que c'est moche, c'est pas moche, mais je pense qu'on peut faire mieux. Alors, je sais pas qui a ouvert son micro, mais là, j'entends tout, là. Oui, moi aussi j'ai entendu un truc. Mais il y a quelqu'un qui discute, là, je sais pas qui c'est. Ah non, je suis là. On Ouais, a apparemment. l'impression de conversations qui se croisent. Oui, apparemment, c'est chez Christian que ça discute. J'ai rien contre le fait que vous discutiez entre vous, mais faut pas que ça soit enregistré dans le live, quand même. Donc, alors, je refais. Oh, si, c'est pas mal, quand même. Moi, j'aime bien cette ligne. Si, c'est pas mal. C'est Ben, pas le mal. ré du bas, là, sur si, la, sol, ré, ça Si. introduit bien le do grave qui arrive après. Donc, moi, je Oh, trouve bien que sûr, bien sûr. c'est chouette. Bon, ok, on fait comme ça. Bonsoir, Carmen. Carmen, tu peux ouvrir ton micro si tu veux. Hein. Sol, mi, si. Ok, donc. Alors, maintenant, question. Est-ce qu'on refait la même chose? En fait, voilà, maintenant il faut parler de la forme du morceau. Donc ça, c'est bon, c'est un peu arbitraire, mais on fait un peu comme on veut. Soit on fait un morceau. Alors, la plupart des morceaux, c'est A, B, A, c'est-à-dire on fait une première partie Oui. A. C'est ce qu'on a fait pour Mixo, A, B, A. Soit on fait A, B, C, par exemple, ou A, B, C, B. Enfin, on peut décider de ce qu'on veut. Donc, soit on fait deux fois cette partie, et après on fait une suite, soit on fait directement une suite. Moi, je me vois bien tenter de faire un morceau ABC, c'est-à-dire faire une Ça première. changerait, ça Voilà. serait mieux, moi je trouve C'est-à-dire aussi. trois, comme trois compos, mais qui ont un rapport les unes avec les autres. Voilà, qui s'enchaînent quand même, quoi, ouais. Bon, alors on essaie ça. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Mick dit Oui. 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 Donc, tout va bien. Alors là, soit on reste en do majeur, soit on change de tonalité, soit on change de mode, soit on change de tonalité et de mode. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on reste en do majeur ou est-ce qu'on change un peu? Ok, pour Christian également. On peut tenter de changer, hein.
Ça peut être sympa justement d'avoir. Oui, on peut faire ça par exemple. Changer de mode. Ah, changer de mode pour Mick. Alors, est-ce qu'on change de mode et de tonalité? Ou est-ce que. C'est-à-dire, soit on passe en. Est-ce qu'on passe en la mineur? Ou Ou on change aussi de tonalité. On peut passer en do mineur, en tout ce qu'on veut, en fa mineur, enfin bon, on peut imaginer. Si on passe en la mineur, le si de la fin, tu vois, si on met par exemple, c'est juste un exemple, hein, si on met un mi 7 ici, ça nous fait transiter en la mineur, parce que mi 7, c'est le cinquième degré de la mineur. Donc ça ferait, à la fin, ça ferait ça. Au lieu de faire. Les notes, c'est sol, mi, si, au lieu de faire. Ça ferait. Et donc, sur cet accord différent, là, c'est le début de la mineur. Moi, j'aime bien le sol mi si sur la corde de do majeur 7, mais après, ça dépend en quoi Ah, moi vous. j'aime bien parce que si on fait un morceau avec ABC, Do majeur 7, ça termine bien le A. Ok, bah alors on reste comme ça. Et alors, ce qu'on peut faire, c'est se servir du do majeur 7 et voir avec quoi on peut enchaîner, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Oui, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai pas compris. Non, c'était, excusez-moi, c'était mon traducteur qui, je voulais savoir ce qu'il se disait en anglais. Ah bon? C'est toi, Carmen? Oui, bonsoir, bonsoir, Coucou, Pascal. Carmen! Ça va? Et toi, ça va bien? Oh, je Oui, dois ça être toute décoiffée, là. va. Bon, c'est pas grave, c'est le soir. Alors, donc après, do majeur 7, donc on peut. Donc on peut considérer que donc soit on change de soit on passe en fa majeur Ou en la mineur. ou en la mineur ou Ou en est-ce do qu'on. mineur. Alors, ouais, si on passe en do mineur tout de suite, ça va faire curieux, hein, mais pourquoi pas. Alors, sinon, comment je pourrais changer de mode sans changer l'accord ici? Alors, bon, alors je vais tenter des trucs. Ce sera plus simple. Donc, si je fais là, j'ai tout sur Do majeur 7. Si je passe directement à Do mineur, ça va faire curieux. Mais ça peut nous plaire, hein. Donc là, on vient de finir sur. Ouais, pourquoi pas. Bon, si on passe en la mineur. Ah, tu trouves? Ah, t'aimes pas? Bah, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas très original, quoi. Ah non, ça c'est vrai, c'est pas très Voilà. original. En fait, on a le la mineur, on l'a déjà utilisé plus haut. Alors après, c'est pas gênant, mais. C'est. Bon, je sais pas. Ouais, Soit on c'est fait vrai, on l'a ça, dit. soit on part sur un truc complètement différent. Ah ouais! Bon? Ça me rappelle une anecdote que Brassens avait racontée. C'est.
Au début, il disait, je demandais, quand je faisais une chanson, parce qu'en fait, une fois qu'il avait écrit son texte, des fois, il faisait 6 mélodies différentes, jusqu'à ce qu'il trouve la mélodie qui La aille bonne? mieux que le texte. Et Mmh. au début, il disait, au début, je il dit, maintenant, quand je crée une chanson, je ne montre plus la vie à mes amis. Parce qu'au début, je faisais écouter à mes amis, et elle me disait, oh, ta chanson est super. Ouais, mais je trouve que mélodiquement, c'est pas atterri, je pense que je pourrais faire mieux. Ah non, tu plaisantes, elle est super ta chanson. Ah bon? Mais tu crois que je devrais pas changer parce que le refrain, toi, il n'est pas terrible. Non, c'est vraiment une super chanson. Bon, d'accord. Et puis, il retourne chez lui et dit, oh, quand même, le refrain, il me plaît pas trop, quand même. Bon, je vais essayer de le modifier. Un tout petit peu. Puis finalement, il le modifie pas mal. Et puis, le lendemain, il refait jouer à ses amis. Il dit, bon, bah, finalement, bon, si vous préférez l'autre version, on laisse, mais écoutez avec le nouveau refrain. Et puis, ils lui disent, ah, oh, t'as bien fait de changer, dis donc. Ouais. Donc bon voilà, bref, même si on est d'accord, parfois il faut faire plusieurs essais. Alors donc, le do mineur, ça donne ça donne un côté très dramatique. Soit on change complètement, est-ce qu'on passe en fa mineur, comme ça on change de tonalité et on change de mode en même temps, ça ferait ça. Et là, oh là, on part dans des univers bon, parallèles. Totalement différent, oui. Là, c'est peut-être un peu trop. Ou alors on passe en mi mineur. Alors, Pourquoi pas mineur? Est-ce que là, ce qu'on peut faire en fait, l'idée, pour pas que ce soit trop curieux, qu'on se dise pas, oh là, qu'est-ce qu'ils font là? Ça va pas, non? Soit on fait ça exprès, on prend vraiment un accord qui n'a rien à voir, et puis on se dit, tiens, on va s'amuser avec ça, je sais pas, un truc qui est très curieux. Ou alors, on prend un accord de transition qui va bien dans Do majeur, mais qu'après on peut, dont on peut, qu'on peut utiliser pour changer de mode. Par exemple, Mi mineur, c'est-à-dire, on est sur Do majeur, puis là on fait Mi mineur, ça va, et puis on en profite voilà. pour écrire en Mi mineur, ou en Mi de rien, par exemple. Par exemple. Comme ça, par exemple. Ça serait peut-être moins étrange parce que, Ouais. effectivement, quand on passe au do mineur ou même au la mineur, ça prend une intensité dramatique qui va peut-être être démesurée avec un morceau assez court, je ne sais pas. Alors, Ou alors faudrait le développer beaucoup. Christian dit pourquoi est-ce qu'on va de carte en carte? Bah, c'est en fait pour le choix des accords au début, c'est un peu. J'ai fait ça au piano, j'ai essayé d'improviser. Alors, bah effectivement, je suis parti de do fa si bémol. Tiens, je dis c'est un cheminement en quarte, mais bon, ça m'est venu comme ça. Après, le mi mineur, c'est plus là, on est plus, enfin, c'est un peu, c'est une carte diminuée. Et après, effectivement, on est à peu près sur un cheminement en quarte tout le temps. Mais c'est venu comme ça, c'est tout. C'est pas un choix délibéré au départ. Là, si on fait par exemple mi mineur. Donc là, on croit qu'on est toujours en Do majeur, mais après, on peut faire un accord. Donc là, on peut dire, par exemple, qu'on est Alors, si je prends Mi de rien, par exemple, ou Mi... Ouais, Mi de rien, ou Mi éolien, pourquoi pas. Si on prend Mi éolien, par exemple, il y a juste un Fa dièse. Donc ça fait que... On ne s'éloigne pas trop de Do majeur, on n'a qu'une altération d'écart, et par exemple ici on pourrait mettre Si mineur 7, et là on a le Fa dièse. Comme ça on introduit directement le changement de Do majeur en Mi mineur. Tu vois ce que je veux Elle est dire ou pas? là-haut, Diane, Pascal. Quoi? Excuse-moi, c'était, je disais à mon mari qui croyait Bon. que le chien était dehors, qu'il était avec moi. Voilà. Donc je disais, je ne sais pas si vous avez suivi. Si, mi éolien, t'as dit, avec un fa dièse, c'est ça? Ça Voilà, fait c'est ça. mi fa dièse, sol la, si, do, ré, mi. Ouais, c'est ça. Donc, comme ça, dès le deuxième accord, on introduit le changement, quoi. Comme ça, on comprend qu'on est passé en mi éolien.
comme ça on a changé à la fois de tonalité et de mode. Donc là ça fait ça. Donc depuis le début on est sur Do majeur. À part ça. Là on a Mi mineur. Si mineur, Si mineur 7. Avec le Fa dièse. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je peux improviser quelque chose. Je m'en reste là-dessus. C'est... ou pas ça? Ça va ou pas ça? Oui, moi je trouve que c'est joli, hein, maintenant. Je dis la majorité muette. bien pour Mick. Excuse-moi, tu peux recommencer à partir du Mi mineur 7? Ouais. Attends, je note. Si mineur 7, Do majeur. Là, j'ai joué ça hein, pour l'instant. Do. Et après, là, j'ai joué. Oui. Donc, ça fait ça. Ouais, c'est bien. Mmh. Ah, c'est joli, hein, c'est sûr. Oui, alors ça fait ça change du cheminement en carte. Là, on a si doré, ça fait un cheminement diatonique. Et ensuite, ré. Alors là j'ai fait quoi? J'ai fait donc là Si mineur 7, Si mineur 7, La mineur 7, Sol, Sol dièse diminué. Comme ça, ça nous permet de transiter sur autre chose après. Donc, là, je vous fais toute la grille des mesures 9 à 16, oui. Les accords où il n'y a pas encore de mélodie, ça fait ça. Comme ça, on pourra passer par exemple en La mineur. On pourra finir en La mineur par exemple. Et puis, puis peut-être revenir sur Do majeur à la fin. Comme ça, si on fait deux fois le tour, bah, ça fera chose de cohérent. Bah, déjà, on peut, bah, il nous reste 4 minutes, on ne va pas faire grand-chose, mais on peut déjà, bah, c'est bien, on a déjà le début.
Si vous avez juste un petit motif à proposer sur le Mi mineur 7, pour qu'on puisse commencer. Ah oui, donc là, on vient de finir la dernière phrase, elle faisait ça. Donc ça, on reprend la même. Comme ça, ça fait la transition. Donc, ré, do, si, la, si, si, do, ré. Faire ça. Sol, mi, si. Sol, mi, si. Ta, ta, ta. On part sur un sol. Ta, ta, ta. Si. Là. Là. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah, voilà. La seule option. Je sais pas, hein, c'est... Voir ce que ça donne. Bon. Je vous dis depuis le début, vous venez à l'harmonica, vous venez si ça vous plaît. Et si vous avez des propositions, allez-y, hein. C'est pas parce que j'écris des trucs que c'est définitif. Hein. Par contre, je voulais te poser une question, Bertrand, s'il te plaît. Oui, oui, dis-moi. Les accords, là, oui. Quand tu les joues et que tu les arpèges, j'ai pas fait attention, tu pars toujours sur la tonique ou tu utilises les renversements? Ah, au piano, tu veux dire? Ouais. Bah, en fait, alors en fait, c'est... Là, je les joue comme ils sont écrits, c'est-à-dire en position fondamentale. C'est-à-dire D'accord. qu'à la main gauche, je mets la fondamentale de l'accord. D'accord. Après, la manière de jouer les accords à la main droite, je change de position. Alors, en fait, si tu veux, il y a une confusion. Je vais t'apprendre ça si tu veux. Mais il y a une confusion sur le terme renversement. Parce qu'en fait, quand je joue, par exemple, si je prends Mi mineur, si je joue le Mi à la basse, et qu'au-dessus, je joue Mi sol si ré, c'est la position fondamentale. Et je vois souvent dans les méthodes, bah tiens, si tu fais un renversement, à la main droite, tu joues Ré, Mi, Sol, Si. Ah bah non. Quoi? Non, si tu fais un renversement, tu prends la deuxième note de l'état fondamental et tu montes au-dessus. Bah, si tu veux, alors je fais Sol, Si, Ré, Mi. Oui. Ouais, et bien ça ne s'appelle pas un renversement, ça s'appelle une position. C'est-à-dire qu'en fait... Le renversement, c'est quand tu mets une autre note que la fondamentale à la basse. Bah justement, si au début, tu as fait, c'était des parties du Mi, tu fais Mi, Sol, Si, Mi, et qu'après, tu fais Sol, Si, Mi, Sol, c'est plus la même note au début, c'est un Sol. Bon, donc en fait, il y a deux choses. Il y a la note
À la base, c'est une note de l'accord qui n'est pas la fondamentale, on appelle ça un renversement. Oui, c'est ça. Bon. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Eh bien, là, j'ai pas, là j'ai écrit les notes en position fondamentale. D'accord. Et c'est vrai que les renversements, je les utilise, par exemple, pour éviter... Alors, il y a plein de... Enfin, je connais plein de commandes d'habitude d'écriture en classique et en musique baroque. En musique populaire, on le fait un peu moins parce que c'est moins courant et on est tellement habitué à entendre les accords en position fondamentale, c'est pas tellement gênant. Par contre, ce que j'essaye d'éviter, c'est que si sur le premier temps d'une mesure, en note de mélodie, j'ai la même note que la fondamentale de l'accord, je mets pas la fondamentale à la basse parce que sinon ça fait trop, on a l'impression que la musique... Ça fait un unisson, puis ça fait lourd. Voilà, ça fait une octave et ouais. C'est pas que c'est lourd, au contraire, c'est on a l'impression que la musique s'effondre parce qu'il se passe plus rien. Donc si par exemple je fais un morceau qui fait voilà, si c'est la fin, ça va, mais si c'est en plein milieu du morceau, ça fait bizarre. Donc à ce moment-là, toi je mets plutôt un mi à la basse, comme ça fait un intervalle de sixte et c'est plus sympa. Donc oui. C'est vrai que dans la composition. Après, si on veut vraiment travailler la ligne de basse, on peut effectivement le faire, tu vois. Et faire en sorte que on n'ait pas tout le temps les mêmes positions d'un accord à l'autre. Mais ça, on fera en dernier lieu. C'est pas une obligation de le faire maintenant. On peut s'en occuper un petit peu plus tard. Et enfin, au risque de dépasser l'heure, quelle est la différence entre un accord de do ou de ré et un accord de do majeur ou ré majeur? Ben c'est la même chose. En fait, quand on dit accord de do, enfin, quand on ne précise pas la nature de l'accord, c'est majeur. D'accord. Donc, OK. Voilà. Donc, si tu veux, la référence de en tout cas, en musique, on va dire, enfin, musique actuelle, on va dire, la référence est majeur. Même si tu as plein de morceaux en mineur, la référence est toujours le majeur. Et donc, quand on dit, tiens, je suis en do, si tu précises pas, c'est majeur. Quand tu vois une lettre, un C tout seul et que tu t'as pas précisé si c'est majeur ou c'est mineur, bah ça veut dire que c'est majeur. Par défaut, d'accord, c'est majeur. D'accord. Ok, merci. Bah, je t'en prie. Voilà. Après, le fait que tu vois, souvent certains disent, enfin je sais que au début je me posais la question, si par exemple quand tu vois Do majeur 7, bah pourquoi tu précises quand il y a la septième, pourquoi tu précises Do majeur, vu que quand tu mets Do tout seul c'est majeur. Pourquoi tu rajoutes le majeur quand il y a la septième? Parce qu'en fait, la notation, il faut pas la lire Do majeur plus une septième, mais Do plus une septième majeure. Et en fait, en anglais, je suis désolé, bon, on pourrait aussi en français. D'accord. En anglais, c'est major seventh. Seven. Donc, on met le majeur avant. Donc, voilà. Majeur, ça ne se rapporte pas à Do, mais à 7. Exactement. Okay. Et voilà, et pareil pour ici. Alors là, en fait... Si on voulait vraiment être précis, on dirait, mais attends, c'est pas logique, parce que moi, il faut l'accord de basse, quand on a un accord Ré mineur 7, il faut que l'accord de basse soit un Ré mineur, D minor en anglais, oui. Auquel on ajoute une minor 7, c'est-à-dire, il faudrait écrire Ré mineur mineur 7. Oui, mais comme il y a deux fois le petit M, eh ben, pour aller plus vite, on écrit juste une seule fois le M. Donc, c'est tout un code, en fait. Mais il faut savoir que quand on voit... à part mineur, parce qu'il faut qu'on précise si l'accord est mineur, il faut qu'on mette un petit thème, sinon on va croire qu'il est majeur. Mais sinon, dès qu'il y a une indication majeure quelque part, c'est parce que ça qualifie ce qui suit. D'accord ? Ce qui suit. Ok, merci. Ok. Bah écoutez, on se retrouve donc dans 2 semaines pour suivre cette composition. Donc, ce que je vais faire, alors oui, je vous enverrai des petits messages là, Mick et Pascal pour le dépôt à la SACEM de la composition qu'on vient de faire, la Mixo, parce que ce que je vais faire, c'est que moi je vais déposer la composition avec vos deux noms et pour que vous puissiez confirmer que vous êtes bien les co-compositeurs du morceau, parce qu'évidemment on peut pas
Je peux pas dire, bon, tiens, j'ai composé, oh, tiens, je vais de composer une super musique avec Patrick Bruel, et puis hop, je peux déposer comme si, bah non, le gars, il va dire, mais je suis désolé, Coco, moi, je te connais pas, et ta merde là, moi, je veux pas en entendre parler, moi, je veux pas, non, je veux pas t'associer à cette saloperie, tu vois, cette connerie là, cette petite bafouille là, bon. Alors, par contre, bon, s'il dit, attends, mais c'est qui est-ce? Ah, c'est Armand Chopin. Ah, si, si, au contraire, Patrick Bruel, il va être enchanté. Bon, maintenant, je présente. Ah, voilà, bien sûr, donc, c'est évident. Donc, il faut que, bien sûr, on puisse demander la permission à tout le monde. Pour être sûr que les personnes qui sont écrites sur la partition soient bien les auteurs, les compositeurs, ben, il faut qu'ils puissent signer. Donc, en fait, la manière de signer, c'est la signature électronique. Et ça se fait avec l'adresse email ou le téléphone portable. Donc, je vous redemanderai vos coordonnées éventuellement pour la signature à la SACEM. D'accord ? Pas de problème. Voilà. Et donc, pas sinon. Merci de ta part. Merci. Je t'en prie. Et donc, je ferai un petit clip avec notre morceau. Je mettrai ça sur la chaîne YouTube. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines pour poursuivre cette compo numéro 4. Et donc, dans 2 semaines, c'est le 19 janvier. Voilà. Donc, okay. Rendez-vous mercredi 19 janvier de 20h30 à 22h pour poursuivre et peut-être finir cette... Bon, si on ne finit pas, ce n'est pas grave, mais au moins poursuivre cette composition. Quoi. D'accord ? Ben écoute, c'est super. On sera là. Voilà. Ah, vous êtes vraiment des fortichants. Ah bon ? Ah ben oui, c'est joli. Hein. C'est vraiment beau ce que vous faites. Et oh, t'es là aussi, Carmen ? Ah, oui. Ah non, moi je suis pas là, moi je suis là en tant que spectatrice. Hein. Ah, tu peux donner une idée. Tu peux donner une idée. Moi j'écoute parce que vraiment, vous êtes très fort. Hein. Ah ouais, et puis c'est vraiment ouf, je ne vous dis pas. Hein. Pourquoi tu vous vois Bertrand tout d'un coup? Non, je parle globalement. Oui, ouais, je sais bien, non mais Pascal est trop modeste. Non mais bon, c'est... J'ai bien conscient que vous apportez moins de choses que moi, mais l'idée, c'est que, franchement, les idées que vous m'apportez, c'est aussi des choses que, vous validez ce que je fais. Bon, on veut dire, moi, j'ai pas besoin qu'on valide ce que je fais. Mais quand tu me dis, par exemple, ah, tu vois, cette partie-là, franchement, je trouve pas ça terrible. Ah, c'est dommage, tu vois. C'est, ah, c'est bien le morceau bien, mais ça, c'est pas terrible. Bon, ok, j'ai vu, effectivement, c'est une intuition du propos quoi, tu vois. Et, ah, bah, toi, j'aurais enlevé une note. Ah, tiens, j'avais pas pensé. Bah, toi, même si c'est, apparemment, c'est pas grand-chose, bah, finalement, c'est ce qui fait que le morceau est bien, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que je compte pas le nombre de notes. T'as écrit tant de notes et moi tant de notes, ou t'as écrit tant d'accords et tant d'accords. C'est que des fois, il y a une, tu fais une chanson, même des fois, t'entends des chansons, tu sais, c'est pas mal, mais par contre, ce passage-là, franchement, ça fait vraiment faute de goût. Les mots sont mal placés, etc. C'est dommage, hein. Tout le reste est bien, mais ça, franchement, c'est vraiment pas terrible. Et quand t'écoutes ça, bah, chaque fois, tu dis, ah oui, cette fameuse chanson avec le machin, là, oh, c'est complètement nul ce qu'elle raconte. Et du coup, tu retiens que ça, quoi. Donc, il faut surtout. Ah oui, parce que ça tire l'oreille, tu dis, oh, c'est, oh, quel ouais. Dommage, tu vois. Et, ah, la faute de français, oh, quelle horreur, mais c'est pas possible, il le fait exprès, le mec, c'est pas possible, il sait pas parler, quoi. Et en fait, bah, c'est juste, il a fait une faute et tout, ça arrive, mais le problème, c'est que c'est gravé dans le marbre, quoi, c'est gravé sur disque, quoi. Donc, l'idée, c'est de réussir à faire en sorte, pas d'être forcément des perfectionnistes, mais se dire, bah, ce passage-là, c'est vrai qu'il est pas terrible. Donc, s'il y a une personne qui apporte une idée que, oh, bah, d'un seul coup, le morceau est cohérent, bah, ça vaut récompense, quoi. Donc, En tout cas, nous, on est gagnants à tous les coups, parce que alors, tu nous considères comme co-auteur, enfin, co-compositeur, oui. Et en plus, on apprend plein de trucs. Alors, ben voilà. Et en plus, quand ça va être repris par des grands, et que ça va être repris par sur disque, par des grands musiciens, ping, voilà, vous allez toucher des sous. Ah, je vous dis, le yacht, on va bientôt pouvoir se l'acheter. Bon. On se fera une croisière ensemble quand même, alors. Hein. J'espère bien quand même. Surtout que si je garde 50% du yacht, j'aimerais bien être dessus quand même. Ah bon, ça dépend, parce que sur les 50%, si c'est toi qui as les machines, c'est toi qui t'y colles. Hein, Mais c'est pas quoi? Si c'est toi qui as les machines sur les 50% du yacht, c'est toi qui te colle à les faire marcher. Hein. Ah oui, oui, oui. Bon. J'ai appris à conduire des péniches, mais le yacht, je ne sais pas encore. Mais, ben, on oh, peut... ben, il n'y a de pas faire un truc bien avec une péniche. Ah, une péniche, oui, ça me plairait bien de... Peut-être que je ferais ça, d'ailleurs. Peut-être que mon prochain lieu d'habitation sera peut-être une péniche. Ce serait génial. Ce serait pas impossible. Ah, oui. Une péniche que j'appellerais. Ça va, je sais nager, dit Mick. Mais pas moi, en fait. Moi, je sais pas nager. Mais il y a des. On peut mettre des gilets. En fait,
Non, enfin, non, je sais pas. Voilà, je sais nager. Enfin, je sais plus qui disait ça, mais je sais nager suffisamment mal pour m'éviter d'avoir à sauver les autres. Donc, mais il y a des gilets de sauvetage, hein, bon, de toute façon. Et donc, J'en mettrai un. hein? C'est plus sûr. J'en mettrai De un. toute façon, c'est obligatoire. Non, non, mais c'est vrai que j'ai appris à. Bon, je vous raconte ça en 2 minutes, mais j'avais dit à ma copine, tiens, si on se faisait. Alors, c'était un rêve de gosse. Moi, j'ai lu Sans famille d'Hector Malot. Oui. Sans famille, le gamin, il se rend compte que ça. Ça... Ah, bah, Christian, le permis bateau, génial. Il a, en fait, il trouve sa vraie mère qui est en fait noble et qui habite, ou une bourgeoise, je sais plus, et qui est sur une péniche. Et j'avais trouvé ça fantastique, quoi. Je me suis dit, waouh, j'adorerais avoir une maison qui. Je rêvais beaucoup que quand j'étais gosse, j'avais pas 10 ans, je rêvais que mon lit s'envolait, que je partais dans l'espace et que, voilà, Wow. je voyageais. En restant, que ma maison puisse voyager. Et je me suis dit, bah tiens, sur la péniche, c'est pas mal, tu n'avais pas besoin d'aller dans l'espace, mais au moins, tout, être sur l'eau, tiré par un cheval et tout. Bon. Donc, je m'étais imaginé ça. Et c'est resté dans un coin de mon esprit, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien faire un tour en péniche. Et puis, une année, je dis à ma copine, bah tiens, si on faisait. On n'a rien à fêter, on va en profiter pour. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir un truc à fêter, mais pourquoi on ne se ferait pas une petite croisière ensemble? Il y a bon, une croisière sur quoi? Alors, sur un voilier, bah, un trimaran, bah, j'ai peut-être pas, mais pourquoi pas une péniche, quoi? Elle dit, oh, bah oui, tiens, ça peut être original. Bon. Et donc, on va à Dijon, donc on y va en train, et on arrive à Dijon, et puis donc, on fait connaissance avec les personnes Marinier. à bord, les mariniers, les personnes à bord de la péniche. Et donc, il y avait le propriétaire de la péniche, il y avait sa femme, sa fille et sa mère. Bon. Bon, très bien. Donc, on s'installe, notre cabine, tout ça. Bon, c'est un peu exigu, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Et on dit, bon, bah voilà, on fait petite connaissance. Bah tiens, il y a le voisin là qui va venir avec sa femme et son fils. Et puis, on va boire un coup ensemble, tout ça. Et puis, demain matin, on part dès la première heure, on se lève à l'aube et hop, on commence à croisière. Oh, génial, super. Donc, on commence très bien. Et le lendemain matin, on voit le type, donc le skipper qui était embauché pour conduire la péniche avec le propriétaire du bateau. Et c'était deux, parce que bon, c'est une péniche, c'était pas une grande péniche, mais ça fait quand même 27 mètres. Bon, c'est toujours mieux d'être à deux. Ah oui. La plupart des péniches, les Fraissinets font 38 mètres, mais 27, c'est déjà pas mal. C'est une péniche hollandaise, un tchalk. Et donc, il dit, bah, pourquoi ne pas. Ouais, ok, on va faire ça donc. Et en fait, le matin du départ, le skipper s'engueule comme du poisson pourri avec le propriétaire du bateau. Et ben, puisque c'est comme ça, et ben, je me casse. Il a pris son baluchon, pouf, il est parti. Oh. Et alors, la mère du. Donc, du. Elle s'appelait Églantine, je me rappelle. Églantine qui me dit, bah, là, on a un problème. Ah bon, bah, oui, j'ai vu que celui qui devait piloter le bateau, il Il s'est est pas barré. content. Voilà. Mais on fait quoi? Bah, elle dit, bah, là, ça va être difficile de partir, là, parce que, bah, alors, je sais plus comment il s'appelait son fils, mais je dis, il a le permis, le bateau. Bah oui, bien sûr, mais c'est enfin, s'occuper d'une péniche, parce que passer les écluses, il faut quand même attacher les. De temps en temps, il faut attacher la péniche. Il y en a un qui a la barre, l'autre qui attache. Dis-moi, je peux le faire, mais bon, à mon âge, tu vois, j'hésite un peu. Bon, le but, c'est pour qu'on a embauché quelqu'un, c'est parce que justement que quelqu'un puisse le faire avec lui. Mais là, je suis désolé, bah, on va devoir annuler la croisière, parce que là, si on n'a plus qu'une seule personne, je dis, on peut pas embaucher quelqu'un. Ah bah là, non, là, on a personne sous la main. Là, à l'époque où on est. Là, on va mettre 4 semaines avant de trouver quelqu'un, donc là, c'est fou. Donc, bah, je suis désolé. Bon, bah, écoutez, de toute façon, on vous rembourse intégralement. Alors, bon, vous êtes venu de Paris à Dijon, mais ou éventuellement, vous visitez un peu le coin. Je dis, attends, mais. Je dis, mais c'est si dur que ça de conduire une péniche? Bah, c'est pas très dur en soi, mais enfin, c'est un travail à temps plein, parce que là, le but, c'est qu'on voyage toute la journée, quoi. Donc, on se repose le soir et la nuit, mais on va voyager toute la journée. Bon, ça voyage pas très très vite, hein, mais quand même, il y a des choses à faire. Bon, c'est pas un boulot non plus. Enfin, c'est quand je dis temps plein, c'est que dès qu'on voit passer une écluse, bah, faut qu'on soit sur le qui-vive, faut pas qu'on se loupe, quoi. Donc, bon, c'est quand même, voilà, c'est pas un travail énorme, mais là, il faut le faire, comme. Je dis, mais moi, je veux bien essayer, quoi. Enfin, ça me plairait Ah, bien. génial.
Et elle me dit ah ouais, ça te dirait. Mais alors, du coup, bah ouais, ça ferait un stage de skipper, quoi. Et donc, elle va voir son fils en disant, bon, j'ai trouvé un skipper. Ah, ah génial. Ah, qui ça? Elle dit, Bertrand. Ah bon, mais Ah. je savais pas que tu savais piloter des péniches. Ben, j'ai dit non, je ne savais pas. Mais je vais apprendre. Tout s'apprend dans la vie. Mais dit, mais tu sais, bon, c'est quand même du travail, hein. Ah bah tant mieux, bah très bien, on va faire ça. Mais au moins comme ça, on n'est quand même pas venu jusqu'à Dijon pour rien, quoi. Bon bah ok, alors on va faire ça. Donc elle dit, bah alors du coup, alors bon, bah par contre, on avait prévu des animations, tout ça, bah il n'y aura rien du tout. Donc bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah alors bon, là, c'était 1000 euros, je crois, oui, 1000 euros la croisière pour la semaine. Dit, bah écoutez, on vous rembourse la moitié de la croisière. Comme ça, on se partage le kérosène et puis bon, le déplacement, tout, etc. Et puis, bah, plutôt que de faire une semaine, on va monter jusqu'à Paris. Donc, vous restez 15 jours avec nous et puis on fait ça, quoi. Très bien. Et donc, j'ai commencé à apprendre plein de trucs sur la péniche, tout ça. Enfin, j'ai adoré, quoi. Et j'ai dit, mais écoute, moi, je t'aide beaucoup, tout ça, donc c'est bien, mais j'aimerais bien passer les écluses, quoi. Oh là là! Attends, 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 c'est mon bateau. Pas trop vite. Tu commences pas à toucher parce que si jamais tu passes mal l'écluse et tout, attends, attends, tu risques d'abîmer la coque parce que c'est pas si solide que ça, hein, c'est quand même assez fragile. Donc, non, non, là, non, je te fais pas passer les écluses. Oh, quand même, attends, tu sais, bon, ça, la vitesse de pointe, c'est 11 à l'heure quand même, donc ça va, quoi. Oui, mais tu sais, quand tu arrives dans l'écluse, faut bien, bien. Bah, apprends-moi, comme ça, je saurai faire. Bon, alors attends, si tu veux, alors je t'explique. Attends, comme on avait plein d'écluses à placer, de toute façon, à passer, je dis, bon, alors. Je dis, bon, allez, vas-y, maintenant, celle-là, normalement, elle n'est pas trop dure à passer, donc vas-y. Donc, j'ai, hop là, pop, 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 bien visé, pouf, passé sans problème. Ah, j'étais content. Bravo! Alors, évidemment, je sais, des descentes du bateau pour la marée, machin, les portes souffrent, les bois joyeux, machin. Bon, bref, donc, je fais tout le truc. Ah, première écluse, super passé. Oh, j'ai, attends, je me fais la suivante. Elle dit, ah, non, non, la suivante, elle est vachement dure à passer. Non, non, attends, 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 je reprends la barre. Tu me fais confiance ou pas? Oui, non, mais je te fais confiance, c'est pas, Bertrand, c'est pas le problème. Mais l'autre, elle est plus étroite, donc ça va être plus difficile. Eh ben, c'est bien, c'est un challenge. C'est un défi. Ah, il y a intérêt. Ouais, là, bon, écoute, vas-y, vas-y, mais je regarde pas. Il me dit, ah, bah d'accord. Et pouf, c'est passé sans problème. Mais j'ai bien visé, quoi. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit, tu vois, les moteurs, machin. Enfin, bon, il m'expliquait, c'est pas très dur. Hein, bon. Je suis passé pile, pile, pile. Et le mec, il était là comme ça, pourvu que ça. Oui, c'est bon, ça marche. Bon, allez, écoute, je te fais confiance, hein, mais pour la troisième, c'est tellement. Attends, je préfère reprendre la barre parce que là, toi, c'est mon bateau, quand même. Oui, d'accord, très bien. Mais moi, je suis content, j'ai passé deux écluses. Maintenant, si tu veux, passer les autres. Et la suivante, ce con, désolé, hein, mais il se prend le bajoyer, donc enfin la part en partie en métal, bam, de plein fouet. J'étais à l'avant du bateau avec sa mère. On a fait un vol plané. Poum, on s'est ramassé sur le bateau. J'en ai encore les marques. Et elle m'a dit, ah, c'est dommage, t'aurais eu des gants, t'aurais eu moins mal aux mains. Ah la vache, j'ai eu bien mal. Et il a trouvé moyen de. Plang, de et le bateau, il a Aurais fait. dû te laisser faire, hein. Voilà, ben, il a dû me laisser faire, exactement. Non mais voilà, il y a des pros, on est pro ou on n'est pas pro. Alors Voilà. je n'allais pas le voir en disant, bah bravo, bravo, parce que là, il m'aurait dit, bah, il m'aurait foutu son poing dans la gueule, donc c'est pas la peine. Donc je n'ai rien dit, mais. Bon, bah, je me suis dit, bon, bah, j'ai réussi à les passer. Bref, mais bon, c'était quand même sympa et franchement, j'ai adoré, quoi. Et il y a une expérience physique qui était intéressante, c'est que bah, moi, j'avais fait de la. Enfin, toi, j'avais fait hein, des études scientifiques, hein, des études, pas des longues études, mais j'ai fait jusqu'au bac plus 2, mais en sciences, tu vois, en technique et en physique. Donc, je savais l'histoire de pression, tout ça, je connais, quoi. Et je sais que bon bah le bateau flotte parce que bon l'histoire de pression enfin ça j'ai compris mais quand même j'avais pas réalisé que à quel point c'était génial cette histoire c'est que il me dit bon allez tiens on va s'arrêter en pleine nature donc on va s'attacher à un bolard donc un bolard c'est une espèce de bitte assez grande Oui. qui est plongée dans l'eau donc les bittes généralement c'est les celles qui sont au sol en dehors de enfin sur le quai on va dire. On appelle ça des bits d'amarrage. Et quand c'est plongé dans l'eau, on appelle ça des bolards. Bon, alors ça a peut-être d'autres noms, mais enfin, on appelle ça des bolards. Il m'a dit, bah, en fait, il y en a un peu partout. Donc, tu vas sur la rive, et puis tu attaches le bateau à un bolard, puis après, on attache à un autre. Puis voilà, comme ça, on bouge pas trop, et on va pouvoir dîner comme ça, avec tout le. Dans la. Quelle du. Enfin, bref, on va pouvoir dîner devant ce paysage. J'ai dit, bah, d'accord, mais je fais comment? Eh bien, tu sautes sur la rive, on se rapproche de la rive, tu sautes sur la rive, et puis tu tires le bateau. Je tire le bateau comment?
Et avec des, je sais pas, des. Alors moi, j'ai appris à l'armée, quand j'avais fait mon service militaire, j'avais appris à sortir un camion de la neige. On avait fait ça, il faisait moins 15 ce jour-là. Le camion était enneigé, et il faut tirer le camion. Le camion, c'est hyper lourd. Et en fait, on avait tout un système de poulies avec des cordes, et on nous avait montré voilà, les différents rapports pour tirer à main nue, pour tirer le camion avec ce système de poulies. J'ai dit, bon, je pense que ça va être à peu près la même chose. J'ai dit, mais non! Enfin, t'as fait de la physique quand même, tu sais bien que le bateau, ça pèse rien en fait. Je dis ça, je vais tirer, il fait combien de tonnes? Combien? 200 tonnes, je sais plus combien, le bateau, et je vais tirer à bout de bras. Ben oui, mais il flotte, et donc la pression, j'écoute, je sais, mais enfin quand même, faut quand même pas exagérer, mais tu sais qu'avant, les bateaux étaient tirés par des chevaux. Ouais, mais je suis pas un cheval, mais regarde ça, comment je suis galbé. Il m'a dit, écoute, saute, il est en train de me faire un bizutage, bon, allez, si ça lui fait plaisir. Donc j'ai sauté, j'ai tiré la corde et c'est venu tout seul quoi. Et c'est l'impression, t'as l'impression que c'est, enfin tu vois, tu aurais un harmonica sur l'eau et je tirerais l'harmonica, ce serait pas plus lourd, toi, ou plus léger. Donc, oh, excellent. Donc du coup, au contraire, il fallait faire très attention pour pas que le bateau vienne. Trop vite, ouais. Et hop, et j'ai attaché le bateau. Franchement, ah, oh, mais c'est génial, ça, j'adore ça quoi. Et voilà. Et donc on a fait notre croisière. Et quand j'ai lancé la création de l'école internationale d'harmonica, je me suis dit, tiens, plutôt que de faire des cours académiques petit 1, petit 2, petit 3, tiens, si j'imaginais qu'on partait en croisière sur une péniche, à votre avis, d'où ça vient? Bon. C'est de là que ça vient. Ah, Je d'accord. Ben oui, me suis maintenant dit, on en fait, comprend. l'idée Voilà. de la formation sur la péniche, au départ, je n'avais pas pensé à ça. Je disais, un des premiers cours, c'est comment on joue une seule note à la fois. Et je disais, en fait, souvent on dit que l'harmonica, c'est un harmonica 10 trous. Et je trouve que le trou, enfin, C'est un l'image n'est canal. pas bonne, Pas parce qu'un terrible, hein, trou, comme ouais, un trou, canal, c'est mieux. tu vas dans le sable, tu creuses un trou, mais en fait, c'est pas ça que dans l'harmonica, parce que l'air, il passe à travers. Voilà. Donc je dis, c'est en fait, il faut réussir à canaliser l'air. Je dis, tiens, c'est un canal, en fait. Moi, plutôt que dire trou, je vais dire canal. Ça me paraît plus logique. Et je dis, ah bah tiens, le canal, comment on fait pour canaliser l'air? Ah bah ça m'a rappelé la péniche quand on est arrivé dans l'écluse. Ah, j'ai dit, bah tiens, ça c'est une métaphore intéressante. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un cours en disant, c'est comme la péniche qui rentre, voilà, qui est sur le canal et qui rentre dans l'écluse. Et je me suis dit, bah attends, la péniche. Et au début, en fait, j'ai commencé à gamberger, voilà, et je me suis dit, en fait, ce que je voulais faire au tout début, c'est que. Je me dis, mais il y a apprendre la musique, mais il y a d'autres choses à côté. Il y a aussi la respiration, il y a aussi la relaxation, il y a plein de choses. Et j'avais chez mes amis, j'avais des profs de yoga, tout ça. Je dis, tiens, ce serait bien qu'on fasse un cours à plusieurs. Chacun aurait sa spécificité. Il y aurait la prof de yoga qui ferait des exercices de yoga. Il y a une personne qui ferait. Alors je dis, tiens, je vais détailler tous les postes, voilà. Et j'ai commencé à en parler des amis. Tiens, ça t'intéresserait, toi, d'avoir une place et tout, mais ça va se faire dans quel cadre? Je vais créer une entreprise et puis il y aura, on va atteindre plusieurs associés et puis chacun apportera quelque chose dans l'école. Comme ça, plutôt simplement avoir un prof de musique, il y aura aussi un prof pour le yoga, un prof peut-être pour la respiration, un prof, etc. Il dit, mais ça, tu connais tout ça par cœur. Je sais bien, mais je pense que c'est plus sympa d'avoir des référents différents. Et puis, comme les amis m'ont dit, oui, bon, très bien, mais on verra, qu'ils n'avaient pas l'air plus motivés que ça, je me dis, bon, je ne vais pas passer 2 ans, 3 ans, 10 ans à essayer de les convaincre. Je dis, bon, après tout, moi, je connais tous ces trucs-là, mais c'est simplement, bon, je dis, j'ai qu'à créer des personnages fictifs, quoi. Je dis, bon, alors, du coup, j'ai commencé à trouver des photos de marins, de choses comme ça. Je dis, tiens, ça peut être marrant. Et puis, Tu peux dessiner? de faire dessiner ça par des graphistes, j'ai dit, tiens, pourquoi pas carrément en faire un dessin animé? Donc j'étais parti là-dessus, oh là, je suis en train de m'embarquer dans un truc. Et puis je me dis, après tout, ouais, ça pourrait être marrant d'imaginer que, tiens, puisque j'ai pris l'exemple de la péniche, qu'on part tous sur une croisière. Et puis il y a un personnel de bord qui accueille tout le monde. Et puis c'est comme ça que je me suis amusé à faire des personnages avec des diapos, et trucs, en faire un film. Et puis je dis, tiens, plutôt que simplement mettre les personnages, je vais m'amuser à faire des voix. Et puis du coup, je me suis éclaté avec ça. Et c'est devenu la formation complète pour apprendre à jouer l'harmonica. Et du coup, comme tout est parti de là, de la péniche, après tous les noms des formations, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais tous les premiers noms des formations étaient sur la péniche, quoi. Donc ceux qui prenaient, il y avait le cercle des marins d'eau douce, la ligue des skippers, des choses comme ça, quoi. Et je me suis amusé avec ça, quoi.
Et voilà, donc tout est parti de là, en fait. Mais tout est parti de cette croisière, de mon stage de skipper. Et j'étais. Et alors. Ah, excellent. Oui, c'est Quand... génial quand même. Oui, c'est astucieux. Et voilà. Et quand j'ai. Après, donc, après notre croisière un peu plus longue, là. Alors, c'était marrant parce que ma copine qui adorait la cuisine, elle faisait la bouffe pour tout le monde. Et moi, je conduisais le bateau. J'ai dit à un moment donné, tu sais ce qu'on va faire? On va virer les autres, là, les trois autres là, qui nous Et on gênent, et garde puis la on va récupérer péniche. le bateau et on va finir notre vie sur le bateau. Bon, mais je sais plus comment s'appelait le bateau, mais à l'époque, j'apprenais à l'espéranto à ma copine, parce que je parle espéranto, mi parolas esperanton, et comment la personne qui était donc la mère du skipper qui était à bord, là, qui était une comtesse d'ailleurs, j'ai connu une comtesse comme ça, elle m'a dit, mais toi, si tu achètes une péniche, bah, tu pourras l'appeler Esperanto, ça pourrait être pas mal. Mais en fait, maintenant, j'aurais plutôt envie de l'appeler Armouillette Jazz. Mais donc, on a failli acheter une péniche parce on a tellement aimé l'aventure, on s'est dit, bon, bah, ok, allez, c'est bon, on s'achète une péniche, quoi. Et donc on a failli acheter une Freycinet coupée qui faisait 28 mètres. On a failli la prendre, puis finalement on a un peu hésité. Bon, et alors on s'est dit, ouais, mais bon, est-ce que alors le problème de la péniche, quoi, c'est l'emplacement, quoi, parce que en fait il faut acheter la péniche. Alors, il y a des combines, enfin des combines, des trucs officiels, hein, mais pour l'acheter en Lorne, par exemple, et puis et puis la faire refaire plutôt que de l'acheter toute neuve avec tout en tech et coûte 300 000 euros, on peut acheter une péniche beaucoup moins chère et puis la faire équiper, faire faire les travaux, etc. Bon, mais il faut aussi payer le loyer de la place parce que la place, c'est bien souvent sur Paris, c'est 1 000 ou 2 000 euros par mois en plus de l'achat de la péniche. Ça te fait cher la taxe foncière, là, hein. Enfin, la taxe fluviale, on va dire. Ça commence à faire cher. Donc, même si c'est 1 000 euros par mois. Et tu peux très bien être un emplacement, et puis un jour on te dit, ah monsieur, on est en train de, voilà, on a besoin d'aménager les rives, vous vous foutez le camp. Ah mais non, mais moi j'ai Ah acheté la ouais. place. Non, t'as rien acheté du tout, mon gars, tu payes un loyer, mais on peut te virer du jour au lendemain, il n'y a pas de préavis. Enfin, on te le dit peut-être quelques semaines avant quand même, mais le jour où tu dois partir, c'est pas toi qui choisis. Donc là, il faut pouvoir être mobile, quoi. Et pouvoir se dire, bah tiens, je travaille à Paris, bon bah là, je vais devoir, là, il n'y a plus de place. Bon, ben, on va faire 100 km, puis on va aller dans la ville à côté. Ben oui, mais si tu bosses à Paris, après, tu fais quoi? Tu fais 100 bornes tous les jours, 200 bornes aller-retour pour aller bosser, tu vois, c'est pas évident. Donc, bon, moi, j'étais prof et je me déplaçais au domicile de mes élèves à l'époque, et je me suis dit, bon, ben, si je dois aller dans la ville de côté, moi, après tout, je trouve d'autres élèves, enfin, fais la transition. Enfin, c'est pas, ça gêne pas plus que ça, mais ma copine qui travaille dans un cabinet d'avocats, elle m'a dit, mais attends, je vais pas changer de cabinet. Enfin, bon, après, on va pas non plus bouger toutes les 5 minutes, mais. Bon, c'est un peu. Enfin, bon. Alors, je sais que sur Paris, pour avoir une place, c'est 2 ans d'attente. Ça nous laissait le temps d'acheter la péniche, de l'équiper, etc. Bon, c'était quand même beaucoup d'organisation. Et puis, financièrement, on s'est dit, bon, ça va être quand même pas mal de. C'est quand même pas mal de choses. Il faut vraiment qu'on soit sûr de le faire. On était vraiment prêt à le faire. Et puis j'ai un ami qui me dit, ah, tiens, je revends mon appartement, ça t'intéresse? Et puis, quand il m'a annoncé le prix, je dis, oh, bah, non, c'est pas si cher que ça. Bah non, enfin ton appartement ne m'intéresse pas, mais du coup je lui dis, attends, mais je vais aller voir s'il n'y a pas des appartements. Peut-être qu'on peut se prendre un appartement en attendant de voilà. Donc du coup on a acheté cet appart là dans lequel je suis, et on n'a jamais acheté de péniche, mais c'est resté dans un coin de ma tête, quoi. Donc là j'ai bien envie de partir d'ici parce que enfin la région me plaît bien, et puis le cadre est pas mal, mais bon l'appartement est trop grand pour moi, toi, j'ai pas besoin de vivre sur 100 mètres carrés, donc. Donc là, je me dis, bon, ce serait bien que je prenne un peu plus petit, tu vois. Surtout que moi, je vis, enfin, du moment que j'ai mes partitions, mon harmonica, mon piano, T'es content, ouais. une petite table qui fait même pas 1 mètre carré pour manger, que je m'en sers pour poser mes bouquins, puis après, je mets une serviette dessus, puis ça devient ma Et table. tu poses l'assiette dessus, c'est ça? Ouais, exactement, bah, c'est exactement ça. C'est une desserte, elle fait. Elle fait quoi? Elle fait, allez, 30 cm sur 30 cm. Et puis, je m'en sers quand je mets mes bouquins, je les mets dessus. Et puis après, oh, j'enlève les bouquins, je mets une serviette de toilette dessus. Hop, ça devient la table. Je mets un plateau et je mange là-dessus. Tu vois, et j'ai pas besoin d'avoir une super table de salle à manger. C'est Pff, truc. multifonction, ça, c'est bien. Ouais, et puis bon, j'aime bien vivre comme ça, moi. Donc en fait, si je pouvais, toi, je pourrais vivre sur 30 mètres carrés, ça serait largement suffisant. Du moment que j'ai un. Et encore là, je dors sur un lit pour l'instant.
Mais c'est un truc de folie. Je me dis, tiens, si je dormais dans un lit. Mais pendant 3 ans, ça fait qu'un an que je suis dans un lit. Mais pendant 3 ans, je me suis amusé à dormir sur un tapis. Un tapis, comment c'est un Un tapis de futon, non, relaxation. un tatami, Non, un non, c'est pas. tatami. Non, c'est pas un tatami. Oui, ça ressemble à un tatami. Oui, c'est comme un. Ah, c'est un un tapis futon, yoga, un un truc comme ça. futon. Non, c'est pas un futon. Oui, ça ressemble à un tatami, mais en paille de riz. Et on s'en sert pour la relaxation. Et en fait, l'idée, c'est que je voulais voyager. Et puis j'avais pris une petite formation pour ceux qui veulent voyager. Et la personne disait, bah, si vous voulez voyager avant de quitter tout et puis de partir en voyage, bah, campez chez vous. Comme ça, vous allez voir si ça vous plaît et si ça vous ennuie, bah, c'est même pas la peine de partir parce que déjà que chez vous, vous êtes chez vous. Si en plus ça vous ennuie déjà de camper chez vous, vous n'aurez pas campé ailleurs. Donc je me dis, tiens, je vais faire l'essai. Je vais pas dormir dans mon lit ce soir et je vais donc j'ai étalé deux couvertures par terre. J'ai déplié mon donc c'est épais comme ça. J'ai déplié mon Mon tatami en paille tapis. de riz. Et j'ai dormi dessus et j'ai super bien. Alors la première nuit j'ai pas très bien dormi, la deuxième nuit j'ai super bien dormi. Oh bah tiens c'est marrant comme jeu. Et en plus pour faire le lit c'est facile, hein. Tu replies le truc, Ah, pouf, ça c'est en bien. couverture ça Ouais. va très vite. Bon j'ai oh bah tiens ça me plaît bien ça. Et puis en fait bah, j'ai dormi pendant 3 ans, j'ai dormi là-dessus quoi, 2 ou 3 ans j'ai dormi là-dessus. Et puis j'avais un locataire dans ma chambre et puis quand le locataire est parti j'ai récupéré la chambre, j'ai dit bon allez. Je vais dormir sur un lit, voilà. Puis bon, mais ça me dérange pas, toi, de vivre sur une, de dormir sur une paillasse et ça me dérange pas du tout. Donc, toi, avoir une petite péniche, même un petit 27 mètres, tu vois, ce qui est pas énorme, ça fait, toi, parce qu'une c'est la dimension extérieure, mais une fois que tu es à l'intérieur, t'as un peu moins, mais ça me dérangerait pas. Donc, peut-être que ça peut être marrant, quoi, de faire ça. On verra. En tout cas, si jamais je le fais. Je peux vous dire que je vais pouvoir animer les stages directement sur la péniche. Et ça, Ah, c'est génial. bon, c'est un Ah bah super. oui. J'ai eu un élève d'harmonica qui habitait sur une péniche. Et alors là, j'étais heureux comme tout. Et son père était architecte pour les sous-marins. Et donc il avait tout. Alors c'est assez marrant parce qu'on arrive. C'était sûr. Il avait aménagé sur 2 niveaux. Et quand on arrivait, j'arrivais au second niveau, je voyais tous les ingénieurs, donc c'était une espèce de passerelle en verre. Ah, Et mais dis donc. dessous, je voyais tous les bureaux, tous les architectes qui travaillaient là sur les ordinateurs, etc. Et moi, je passais au-dessus et j'allais donner mon cours d'harmonica. Et c'était fabuleux, quoi. C'est excellent. Ah ouais. C'est cool. C'était génial, quoi. Donc ça, c'est Ouais. vrai que. Alors, c'est quand même la péniche, faut aimer être confiné, quoi, parce que. Le paysage, tu vois pas grand-chose, hein, à part de la flotte et puis un bateau qui passe de temps en temps. Bon, mais bon, enfin voilà, Ouais, c'est. mais quand il fait beau, tu peux Oui, monter. C'est ah bah tu peux monter, mais toujours bon, mieux, après, hein. tu vas faire un tour et puis tu reviens, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que c'est assez sympa de vivre dans une espèce de village de péniches avec plusieurs péniches amarrées les unes sur les autres. Après, c'est sûr que bon, il y a forcément des contraintes, mais. Mais bon, c'est une aventure, quoi. Donc je me dis, bah, pourquoi pas m'installer dans une péniche. Bon, on verra bien. Bah oui. On verra bien. Mais c'est, en tout cas, ouais, c'est vrai que c'est une expérience, C'est une expérience à vivre. Christian dit, je sais nager comme une clé. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça Il y veut a dire six que coups, tu nages au fond de l'eau. Ah, tu ah oui, comme une clé, oui, d'accord. Ah oui. Oui, ça pour nager au fond de l'eau, ça je sais bien faire. J'ai fait ça une fois quand j'étais en CE2, on devait se mettre proche du bord et pouf! Et je suis resté Ah. au fond. Donc, normalement, d'habitude, tu mets, c'est pas grave, si jamais une gamin il va remonter, moi je suis pas remonté. Le maître nageur n'était pas là, je serais resté au fond. J'étais bien au fond, je voulais pas. Bon, bref. Non, j'ai deux. Bon, après, je vais vous quitter quand même. Mais j'ai deux souvenirs émus de la piscine en classe de CE2. Donc, où je suis la troisième séance, j'ai failli rester au fond de la piscine. Donc, heureusement, le maître nageur m'a repêché. Mon Dieu, il va mourir dans la piscine. Bon, et 2 semaines après, j'ai glissé sur le Sur dallage, le quoi. carrelage? Ouais. Et je me. Hein? Tu as glissé sur le carrelage. Oui. Et je me suis ouvert le crâne. Donc, Non! et bon, c'était en 1980. Et là, oui, ça fait. Oh non, ça fait pas mal du tout, en fait. Et c'est qu'en fait, alors, l'histoire, c'est que
ils avaient dit surtout ne courez pas. Ne courez pas quand. Il fallait ramener sa planche. Et comme j'étais en retard, comme d'habitude, parce que j'étais très très lent, je me suis dit bon, allez, je me dépêche. Mais bon, je sais qu'il ne faut pas courir, mais juste pour remettre ma planche. Je fais juste ça. Ok. Et évidemment, c'est là que j'ai glissé. Donc j'ai fait. Boum, je me tapais la tête par terre. Alors, comme j'étais très habitué à courir et que j'ai plein de bosses partout, moi, c'est pour ça que je mets un chapeau, parce que j'ai crâne. Ah non, mais c'est vrai. À l'armée, je me suis fait la boule à zéro juste pour déconner. On voyait toutes mes bosses, hein, c'est horrible. Donc, j'ai complètement bossé. Mon front, j'ai deux grosses bosses sur le front et mon front était refait sur les bosses. Non, c'est vrai. Hein. Je suis très casse-cou quand j'étais gosse, mais j'avais des bosses. Alors, les insides disaient, ah ben, c'est rien, c'est la bosse des maths. Ah ben, l'année suivante, c'est la bosse du français. Bon, très bien. Et donc, voilà, je me suis fait plein de bosses. Donc, et chez moi, ça gonfle très vite, les bosses. Et donc, et maintenant, quand je touche le crâne, je compte les bosses, hein, je vous assure. Hein. C'est très bizarre. Et donc, je vais aller voir une dame qui était là, au bord de la piscine. Je dis, madame, excusez-moi, je ne me suis pas fait une bosse parce que j'ai pas mal, mais je viens de tomber. Et elle regarde le crâne, elle fait, j'ai quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? On voit l'os. Ben, on voit l'os de quoi ? Ben, on voit l'os du crâne, tu t'es ouvert le crâne. Je me suis fait, ah oui, à ce point-là. Me fendre le crâne quand même, il faut le faire quand même. Ou en tout cas, la peau, enfin bon, bref, j'avais je sais pas si j'avais le crâne fendu ou bon, bref. T'as eu combien de points de suture ? Oh, je me rappelle plus. Mais, et alors, alors elle a dit, viens, donc on va appeler tes parents. Ah bon ? Et donc, ils appellent ma mère en disant, on a une nouvelle à vous apprendre, c'est Bertrand Carmono, c'est bien votre fils ? Oui, oui. Bon, il s'est ouvert le crâne. Quoi ? Bon, oui, mais ça va, il va pas s'évanouir, on lui a donné du sucre. Alors, oui, mangez du sucre, mais j'ai pas faim. Mais on te demande pas d'avoir faim, mange du sucre, t'as eu trois sucres blancs. Bon, très bien. Et on dit, je vais passer le chercher. Non, mais c'est bon, vous le récupérez à l'école. Ah bon ? Donc en fait, ils m'ont remis dans le car, comme si de rien n'était, avec mon crâne ouvert. C'est pas vrai. Et on a fait tout le voyage, parce que c'était pas à côté. Et puis ma mère m'a récupéré à l'école primaire. Donc a envoyé directement chez le médecin. Le médecin a dit, vu vite, il ne faut pas qu'il bouge. Bah, il a fait tout le voyage avec les autres. Hein, à l'air libre. C'était en 1980, c'était rock'n'roll à l'époque. Hein. Bon, voilà. Donc j'ai eu un bandeau sur la tête pendant quelques temps. Puis un jour, le médecin m'a dit, je vais te recoudre. J'ai qu'elle est bonne. Non, c'est pas une blague. Ah bon ? Donc il a préparé une grande aiguille comme ça avec du fil. Et puis hop là, je vous coupe. Je dis, ça va Tu sens quelque chose ? Bah non, je sens rien. Bon, bah c'est bon, alors très bien, voilà. Puis ils n'ont même pas recousu à chaud, donc... Non, c'est après quelques jours. Donc j'avais un bandeau sur la tête, je ne sais plus combien de jours. Deux, trois jours, je ne sais plus. Oh là là là. Et je suis une tête dure, oui, c'est vrai. Et donc le médecin m'a dit, bon, bah voilà, donc il a fait... Il a juste fait une petite anesthésie locale, évidemment. Et puis hop, il m'a recousu comme ça et il dit ça va, ça tire pas trop, non, c'est bon. Hop, il m'a recousu comme ça, j'étais très épuisé, il est en train de me recoudre la tête. Bon, et voilà. Et donc. Oh, excuse-moi, mais c'est trop drôle. Après, les gens se demandent pourquoi je suis cinglé. Ben voilà, vous savez. Là, et Carmen, elle est pliée en deux. Ah oui, ben ça. J'en ai fait des bonnes, moi, dans ma vie, donc. J'ai failli y passer plus d'une fois. Vous avez un survivant devant vous, hein, je peux vous dire que... Ouais. Le premier jour que j'ai fait de l'escalade, on avait une paroi à monter. C'est une paroi qui faisait 30 mètres de haut. Et le moniteur nous dit, les 20 premiers mètres, c'est facile. Si vous faites comme je vous ai montré, ça va aller. Les 10 derniers mètres, c'est presque que du plat, donc ça va être très dur. Mais voilà, je vous explique, il y a quelqu'un qui... Donc, on est dans le baudrier, il y a quelqu'un qui vous assure en bas. Donc, allez-y tout doucement. Puis, si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez plus, bah, redescendez, ne restez pas trop longtemps parce que tout le monde doit passer à tour de rôle. Alors, vous êtes une trentaine, on ne va pas y passer deux jours non plus. Donc, montez. Et alors, moi, j'ai réussi à monter jusqu'à peut-être 25 mètres. Et dit, bon, c'est pas mal d'être déjà monté assez haut. Mais bon, maintenant, là, ça va être très dur. Vas-y, redescends, c'est pas grave. Très bien. Alors, tu redescends doucement. Très bien. Et puis, je suis descendu, je me suis appuyé un peu trop sur le baudrier. Ce qui fait que ça fait un poids d'un seul coup. Et le jeune qui était en bas, il a senti la corde s'échapper des mains. Et au lieu de rattraper la corde, il a fait « Oh, la corde !» Et j'ai fait 20 mètres en chute libre. Enfin, pas tout à fait en chute libre, puisqu'il y avait la corde qui frottait sur les... Ouais, mais enfin, quand même. J'ai rebondi sur les pierres en bas. Je...
bizarre. Heureusement que je suis pas, j'avais pas des pierres pas trop pointues, sinon bon. Et voilà, donc c'était ma, je me suis cassé la gueule en escalade. Deux jours après, Il en a fait des trucs. deux jours après, on fait la spéléo. C'était un stage, un raid sportif. Deux jours après, on fait la spéléo. Et ils nous disent surtout, faites très attention. Alors, tu descends dans un boyau, ça fait 80 cm, ça tourne comme ça, vous êtes complètement dans le noir. Quand vous arrivez en bas, vous attendez le moniteur. Surtout, vous ne faites pas un pas. Ça va, on peut marcher quand même. Non, 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 c'est, vous faites pas un pas, vous attendez le moniteur. Bon, d'accord, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Et donc, alors, faut descendre. C'est vraiment étroit. Alors, on descend comme ça, complètement à l'aveugle. Bon, pouf, pouf, pouf. On descend. Pouf, pouf. On arrive tout en bas. Pouf, donc, on a descendu, je sais pas combien de mètres. Bon. Et puis, donc, il y avait déjà un moniteur qui était là, heureusement. Et moi, je commence à. Oh, je dis, bon, allez, je vais rejoindre les autres. Non, faut pas bouger. Et je dis, ah, c'est bon, ça va, je sais qu'il fait noir, mais enfin, il se passe rien là. Et le mec m'a rattrapé au dernier moment. Mais tu es complètement cinglé, c'est pas possible, mais tu comprends pas le français ou quoi? Ah, c'est bon, je vais rejoindre les autres. Ah ouais, tu marches où? Tu sais où tu dois marcher? Bah, j'en sais rien, mais bah oui, t'en sais rien. Bah voilà. Alors, attends, je vais toile d'aller en polyéthylène. Regarde là, tu vois là? Oh merde, il y a un trou. Ah oui. Le trou, c'est un gouffre, il fait 35 mètres de profondeur. Il dit, je ne t'aurais pas rattrapé, tu descendais 35 mètres d'un coup. Ah oui, d'accord. Bon, alors peut-être écouter, je vais peut-être peut-être écouter les consignes alors. Ah non, En mais. gros, quand on te prévient qu'il y a un danger, tu sais que c'est pour toi, tu vas y avoir droit, quoi. Bah, j'aime ça en fait. Et Ah je me dis, ah, oui, non, mais en c'est plus, vrai. tu reconnais, mettre le pied dedans. Ah d'accord, ok. Je me dis, ah tiens, non, mais j'aime bien, en fait, c'est pas que je fais exprès de me mettre en danger, de mettre ma vie en danger. Mais j'aime bien les défis, quoi. Je me dis, oh tiens, Ouais, les trucs, ouais. c'est un truc. Bon, j'ai un vertige pas possible. Bah, j'ai fait de l'ULM quand même. On dit, oh, tiens, j'aimerais bien. Bon, j'en fais 10 minutes. Hein. Au bout de 10 minutes, tu me poses maintenant Ah parce que. oui, on a vu la vidéo cet été. Bah voilà. Donc, mais tu vois, j'en menais pas large, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de dépasser mes limites, tu vois. Et j'ai toujours aimé faire ça, quoi. Alors, bien sûr que, bah, malheureusement, parfois, même assez souvent, il se passe des catastrophes. Une fois, j'ai fait du ski. Bon, je vous raconte juste ça, puis après, on joue au kit. Mais pour vous dire à quel point. Mais j'étais très jeune, hein, tu vois, j'avais 16-17 ans, mais quand même, quoi, j'ai toujours été comme ça, quoi. Et le je Henri connaissais pas bien. Castro. Je connaissais pas bien la physique à l'époque. Et en fait, c'était une année, on était en Autriche, et en colo de ski. Et bah, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de neige cette année-là. Donc, il y avait de la neige sur seulement deux pistes. Donc, c'est tout le temps les deux mêmes pistes. Donc, on avait ras-le-bol, là. Ils avaient fait 15 fois, 20 fois, 30 fois les deux mêmes pistes. Bon, bah, c'est marrant, mais bon, au bout de la troisième, quatrième jour, c'est bon, on les connaît par cœur, quoi. Donc, on s'est dit, on n'a qu'à faire du hors-piste. Évidemment. Bon. Donc, les moniteurs ne nous voient pas. Bon, on profitait pour s'éloigner un peu. Et puis, on a trouvé voilà, des vraies crevasses. C'était hop, là, ça faisait ça, puis ça remontait comme ça. Donc, on allait tout chousse dans cette partie-là. Donc, ça faisait un grand tremplin. Et ce qui fait qu'on montait à 2 mètres de hauteur, on poussait un cri pas possible, on se cassait la gueule en bas, et hop, on chaussait les skis et on recommençait. Bon, comme on avait 16 ans, et on était résistants à l'époque. Et surtout, il fallait impressionner les filles, tu vois. Donc, voilà, t'imagines que. Donc, parce que si tu montes à 2 mètres de hauteur et que tu dis rien, toi, ça va pas. Donc, faut crier. Voilà, tu fais un cri de guerre et boum, tu redescends. Donc, on a fait ça toute la journée. Donc, on s'est bien marré, quoi. Et puis les filles disent, ah là, je suis sûr que t'es pas capable de la faire, celle-là. Ah ouais, tu vas voir, parce que je suis pas capable. Voilà. Je ouais, super. Bon. Ouais, record de gadin. Bon. Et à un moment donné, je dis, bon, oulala, attends, oh là, vache, il est 17 h, peut-être falloir rentrer parce que les pistes ferment à 17 h 30 et faut pas, la dernière navette, c'est 17 h 30. Donc, bon, bah, c'est bon, on n'est pas loin. Allez, on rechausse les skis et tout le monde, tout chose pour aller vers la navette. Et moi, je me dis, oh, je me ferais bien une dernière petite bosse quand même avant de repartir quand même. Allez, une dernière petite bosse. Et en fait, je me dis, bon, j'en prends pas une trop grande parce que si je monte trop et que je me casse la gueule, bon, toi, j'en veux pas non plus me faire mal avant. Allez. Je fais une toute petite bosse. Et donc, j'ai voulu prendre une petite bosse. Bon. Et alors, le problème de la petite bosse, c'est que, je fais un petit schéma rapide, petit cours de physique. Voilà. Alors, j'ai trouvé un petit creux comme ça faisait ça. Voilà. Je me rappelle bien. Voilà. Ça faisait un peu penser à, bon, bref, peu importe. Alors, donc, et je me suis dit, bon, si je prends pas un élan suffisant, bah, je vais faire ça. Là, je vais à ski, pouf, ça va faire ça. Et boum, je vais me retrouver en bas. Et comme un con, il va falloir que je remonte en espalier jusqu'en haut. Donc, je vais prendre un élan suffisant.
D'accord? Donc, je me suis dit, bon, moi, je ne vais pas prendre 10 mètres d'élan parce que ce n'est pas assez. J'ai dû prendre 250 mètres d'élan, quoi. Comme ça, moi, je suis sûr de... Donc là, je vais faire ça, un super saut, et comme ça, boum, je vais pouvoir rejoindre les autres. Sauf qu'en fait, donc la courbe, elle faisait plutôt ça, en fait. T'es plus pointu en bas, ouais. Ah, Enfin, même ouais. plutôt comme ça, en fait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, j'ai pris un élan, mais un vrai élan, tout chose, 200, à peu près dans 150 mètres d'élan, hein. Et j'ai fait ça. Voilà. Il a été planté de l'autre côté. Et je me suis pris la pente d'en face. Mais je suis rentré en force, les deux bras en avant. Et j'ai fait ça. Et je me suis retrouvé, mais là, je ne sais pas avec quelle violence je me suis retrouvé là-dedans, mais je me suis retrouvé coincé dans la pente. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Et Et j'ai les fait. autres, ils avaient vu? Ah ben les autres étaient partis, eux. Hein. Bah, comment t'as fait? Ah bah je vous racontais. Et donc j'étais les bras coincés, et je dis bon, bah je vais me dégager. Impossible de me dégager. Comment t'as Attends. fait? Ah! D'accord, alors attends. Alors déjà, je vais. Alors attends, je suis la tête sous la neige. Alors attends, je vais d'abord manger un peu de neige, voilà, pour sortir la tête. Et je me suis dit, alors, bon, je suis en Autriche. En Autriche, on ne dit pas au secours, on dit Hilfe. Alors j'ai commencé à crier Hilfe, pour que les gens viennent me chercher. Puis là, j'ai réfléchi quand même, je me suis dit. Ah ouais, mais je suis en hors-piste. Donc j'ai Il y beau a crier personne. le feu à plein poumon, personne ne va m'entendre. En plus, il est un peu plus de 5 heures, donc tout le monde s'est barré puisque les pistes ferment à 5h30. Avec un... Oui, mais il y a la chasse-neige qui... Ah oui, mais je suis hors-piste, donc il ne va pas me voir. Donc, ah bah voilà. Panique à bord. Donc je me suis dit, bon, alors, bon, bah voilà. Bah, je ne verrai plus jamais mon petit frère. D'accord. Adieu. Ni ma sœur. Je faisais beaucoup de piano à l'époque. Je dis bon, bah, mon piano c'est fini, je ne toucherai plus jamais. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Voilà, j'aimerais bien savoir improviser un jour, composer tout ça. Bon, tant pis, ça, je ne le ferai jamais. Oh Bon, je vais rester là toute la nuit, c'est sûr, avant que quelqu'un me trouve. ah, Et mon donc, Dieu. bon, bah, je vais sans, bah, la nuit fait froid quand même. Bah, peut-être que je vais mourir de froid. Bon, je vais manger de la neige, peut-être que ça va me. On verra quoi. Bon, bah bon, on verra quoi. Bah, j'ai bon, tant pis, c'est dommage quoi. Mais c'est con de. Je peux pas revenir en arrière. Je puis là, je commence à geler, toi. Et toi, là, j'ai plus ou moins, je sais pas, une demi-heure avant de, en gambangeant tout ça. Je dis bon, là, je commence à avoir froid. Bon, bah, tant pis, c'est la fin de ma vie quoi. C'est con de finir là-dessus. Dans les Ouais, c'est journaux, con, c'est vraiment con. je vais jouer les Hibernatus, c'est un peu dommage. Et il y a Vivian, un ami à moi, qui devait partir avec les autres. Et à un moment de partir, ah, il a envie, une petite envie pressante quand même. Bon, je vais quand même pas pisser sur la neige. Bon, allez, je vais essayer de trouver un sapin. On va pisser sur le sapin, comme les chiens, évidemment. Et il dit, oh, il trouve un petit sapin. Hop là, hop. Et puis là, il commence à se rhabiller. Il va pour reprendre ses skis. Oh, il voit un petit animal sur la neige. Il dit, oh, c'est quoi ça, l'image là-bas? Il dit, oh, non, écoute, allez, faut pas que je traîne. Les pistes sont fermées. Oh, je suis trop curieux. Il pose les skis. Il s'approche. Il marche un peu. Tout ça, pauvre. Oh, c'était ma tête! Dis bien que Bertrand. Mais Bertrand, qu'est-ce que tu fais là? Vivian! Ça... Ah, oh, je croyais même plus! Oh, mon sauveur! Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Bah, j'ai là, bah, je te raconterai après. Mais enfin, bon, voilà, j'ai voulu me faire une bosse, mais je suis un peu rentré dedans là. Mais tu peux pas sortir? Non, non, je suis complètement coincé. Mes bras sont à angle droit. J'arrive pas à. Dis, bah écoute, bah, je vais essayer de te dégager. Oh la vache, la neige est hyper dure et tout, mais comment t'as fait pour rentrer là-dedans? Bah essaye de. Enfin, mais non, je vais te taper avec les skis, mais je ne voudrais pas te faire mal. Non, mais je m'en fous, moi je veux sortir. Je préfère sortir avec mes bras, donc là, donc vas-y, vas-y, même si tu me fous un coup de ski sur la tronche, c'est pas grave, je m'en fous. Et il me dit, ah, bah attends, il y a des mecs qui passent, attends, je vais les alerter. Donc, ils étaient 12. Je dis, eh, venez, venez, il y a Bertrand qui est coincé. Ah bon, alors, pouf, ils sont tous arrivés. Ils ont mis une demi-heure à me dégager. À 12. Ils sont tapés comme des fous. J'avais un ski qui était tombé à 1 mètre plus bas. Enfin bon, j'ai récupéré tout ça. Et après, on est allé, bon, évidemment, on a raté la navette, on est rentré à pied. Enfin bon, c'est une horreur. Et le lendemain, je suis remonté sur les skis en me disant, faut surtout pas parce que si je, toi, si je remonte pas dessus, je vais avoir peur toute ma T'en vie. feras plus jamais, ouais. Le lendemain, je suis remonté, j'étais comme ça pendant toute la journée tellement j'avais peur. Mais c'est le gars m'a sauvé la vie. Et donc, et je lui dis, écoute, bah, tu m'as sauvé la vie, faut faire quelque chose, quoi. Là, faut que je t'offre un cadeau.
Et le soir, j'ai dit, bah écoute, on va aller au café. Mais moi, j'avais juste un peu d'argent de poche dans la semaine. On était en Autriche. J'ai dit, bon, bah, je vais te payer une bière. Il me dit, quoi, une bière? Et il y en a qui me donneraient leur femme. Toi, moi, tu me payes simplement une bière. Bah, je dis, non, j'ai pas de femme à te donner. Mais enfin, je vois pas comment te remercier plus. J'ai dit, bon, bah ok, alors on va aller prendre une bière. Et donc, on a pris juste un demi, c'est-à-dire un demi-litre en Autriche, et demi-litre. Et le barman, il nous dit, buvez doucement. Non! On est sorti Je veux pas que complètement ça bourré. continue! On est sorti complètement bourré du bar. Moi, j'étais pas habitué à bar. Je voyais les rues qui dansaient comme ça. Et on est rentré. Je chantais des chansons des Beatles à tue-tête. Yesterday! Voilà. Bon, bah, c'est mes souvenirs de vacances. Bref, vous avez un miraculé devant vous. Mais hey, Carmen, comme Oui. quoi, nous les filles, t'as vu le pouvoir qu'on a pour les manipuler? Il suffit de dire t'es pas cap et ils font n'importe quoi. T'es pas Ah ben ça, alors là, ça marche très bien, hein, ça marche très très bien. manipulé. Il n'y a pas besoin d'elles, mais si en plus elles sont là, Alors là, les tocs, c'est. ouais, tiens, on voit les gros bras. J'aurais bien aimé Bertrand. Bon. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Bon, Merci merci beaucoup. Picardie, à la prochaine. Oui, Oui, donc à au dans deux revoir. semaines. Au revoir à tous. Au revoir, Au Bertrand. revoir, Mick. Au revoir, Au Christian. revoir, Mick. Au revoir, Au Chris. revoir, Au revoir, Mick. Au revoir, Carmen. Au Chris. revoir, tous ceux qui Au sont revoir, là. Pascal. Et au revoir, Bertrand. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. Merci beaucoup, Bertrand. Lui À aussi. dans 15 jours. Oui. Ciao. Oui, au revoir, ciao. Plaisir.